Alhamdulillahi Rabbil Alamin. La louange est à Allah. C'est Allah qui est le Seigneur de l'univers. Rabbil Alamin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Nous demandons la protection d'Allah contre le diable banni. Et nous sommes ici. C'est au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Allah, c'est le Dieu de la Bible. Mais le Dieu de la Bible n'est pas forcément le Dieu du Coran. Aujourd'hui, c'est le 6 Rabi al-Sani 1443 de l'Égypte qui correspond au 11 novembre 2021. Nous sommes en Côte d'Ivoire et encore une fois sur l'esplanade du terrain de Fikayo de Yopougo. Nous sommes en direct sur notre page Facebook. Pour quel objectif? À travers les directs, nous pouvons atteindre le maximum de personnes et qui se convertissent à l'islam à travers les vidéos sans toutefois même se déplacer. Non. Les blancs ont créé l'internet. Je peux dire pour nous surveiller. Mais nous, on prend pour les convertir à l'islam. C'est une grâce d'Allah. Nous sommes à une époque où la communication, on est obligé de passer par là pour atteindre le maximum de personnes. Et les musulmans à travers le monde, les non-musulmans qui nous suivent à travers le monde, quand on donne des versets bibliques et coraniques, automatiquement, il n'a plus besoin de courir aller demander le pasteur, ni l'imam, ni son féticheur. Il vérifie lui-même. Et l'esprit des gens, l'esprit des uns et des autres est en train de s'ouvrir au fur et à mesure. On ne dit pas qu'on avait l'esprit fermé, mais il y a beaucoup de personnes qui ne voulaient même pas faire la différence entre le bien et le mal, et du vrai et du faux. L'éternel Dieu nous a dotés du libre arbitre. Non. De l'intelligence pour connaître le bien et le mal, pour connaître la différence entre le blanc et le noir, pour connaître également la différence entre le vrai et le faux. Quand on te dit une chose, qu'il soit musulman, qu'il soit païen, qu'il soit bouddhiste, qu'il soit athée, qu'il soit scientifique, lève-toi, vérifie toi-même. Si l'imam a dit quelque chose, va demander à d'autres imams. Si le Coran ne te convient pas, va demander aux imams également. Si tu ne comprends pas des choses dans le Coran, demande aux musulmans, demande aux imams. Si tu ne comprends pas des choses dans la Bible, certes, tu peux demander aux pasteurs, aux hommes religieux, chrétiens ou autres. Mais quand tu te rends compte que ce qu'il dit, ce n'est pas ce qui est écrit, qu'il soit musulman ou chrétien, pose-toi des questions toi-même. Soit c'est lui-même qui est ignorant, soit il est en train de montrer que tu es ignorant. Comme Aziz Khan le dit depuis l'Égypte, il dit, il y a des gens qui disent, Dieu n'existe pas, Dieu n'existe pas. Tout cela, c'est venu par le prix du hasard. Il dit, on leur pose la question, voiture qui est garée là, c'est hasard qui a mis ça là. C'est-à-dire, on était des passages et puis un coup on a vu ça. Lui, il va dire non. Il va accepter que c'est quelqu'un qui a fabriqué la voiture là. Non. Maintenant, le ciel là, il dit, c'est hasard. C'est la nature. Oui, et tu ne crois pas en Dieu. Non. Tu ne crois pas en Dieu. Pourquoi tu dis je ne crois pas en Dieu? Tu dis le nom de Dieu et puis tu dis Dieu n'existe pas. Alors que tu ne peux pas donner le nom d'une chose qui n'existe pas. Exactement. Ça veut dire que tu réfléchis. Tu donnes le nom de quelque chose qui n'existe pas. Pourquoi tu dis Dieu et puis il dit il n'existe pas? Pourquoi tu dis Dieu d'abord? Alors que tu ne peux pas dire le nom de quelque chose qui n'existe pas. Non. Le vent n'existe pas. Mais tu dis pourquoi tu dis le vent? Le ciel n'existe pas. Alors que, donc, il y a beaucoup de choses à comprendre. Exactement. Donc, nous musulmans, nous disons que vous n'êtes pas dans le faux. Vous qui n'êtes pas musulmans, mais c'est nous qui sommes dans la vérité. Non. Et c'est nous qui avons la vérité. Et notre vérité est biblique et coranique. Nous prêchons avec la Bible et le Coran. Nous prêchons Jésus-Christ, Moïse, Mohammed, la paix de Dieu soit sur eux tous. Non. Parce que
Ils sont tous mentionnés dans le Coran. Oui. Ce sont des agents, on peut dire des agents humains, dotés de bonne moralité, que l'Éternel Dieu choisit pour envoyer, pour parler de sa part à leurs semblables. Dieu n'est pas un homme, non, ni fils d'un homme. Nombre 23, 19. Je suis Dieu, je ne suis pas un homme. Osée 11, le verset 9. Non. Dans le Coran, Allah dit qu'il n'y a rien qui le ressemble. On ne peut même pas le concevoir. Exactement. À partir du moment où tu veux imaginer la divinité des musulmans, non, ça veut dire que tu ne pourras même pas. Alors que, si on te dit, Bouddha, tu as déjà une image mentale, tu vas peut-être voir une statue, ou bien comme comment on appelle ça, ceux qui sont chez les hindous là, j'oublie les noms. Voilà, les Krishna, tu vas les voir par exemple, tu as une image mentale. Quand tu dis Krishna, tu as une image mentale. Bouddha, tu as une image mentale. Jésus-Christ, tu as automatiquement une image mentale. Non. Tu passes par exemple à l'acteur qui a tourné le film de Jésus, qui n'est même pas Jésus. Comment on pourrait dire que c'est lui qui est Jésus, alors qu'à l'époque de Jésus, il n'y avait même pas appareil photo. À l'époque de Mohammed, il n'y avait même pas appareil photo. Comment peut-on connaître, c'est leur image qui est là. Donc ce sont des acteurs qui ont tourné des films et représenté le Christ. Non. C'est pourquoi en Islam, nous n'avons pas besoin de films pour représenter notre prophète sur la salam. Même il y a des gens qui ont essayé de tourner le film de Rasoul alayhi sur la salam. Vous voyez qu'on ne montre jamais son visage. Ils vont montrer son dos pour ne pas que les gens vont commencer à faire des images et puis ça va envoyer des problèmes. Donc, quand il dit le Christ, image mentale. Claire. Bouddha, image mentale. Non. Krishna, image mentale. Judas, image mentale. Allah, il n'y a pas d'image mentale. Non. Tu ne peux pas le concevoir. Tu ne peux même pas penser qu'il peut ressembler à tel ou tel ou tel objet. Donc à partir du moment, quand tu cites le nom de ta divinité et que tu penses déjà à une image, il n'est plus Dieu. Il y a des critères pour être une divinité. Il y a des critères. Le Coran en a donné 4 critères. Sourate 112. Alayhi salatu wassalam, dis-leur. Pour ceux qui t'interrogent sur ta divinité, dis-leur. Non. Il s'appelle Allah unique. Allah qui est le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, ça veut dire il n'a pas d'enfant. Il n'a pas été engendré non plus. Lui aussi n'est pas enfant de quelqu'un. Non. Et nul n'est égal à lui. Exactement. Correspondance dans la Bible, Ésaïe 46, 9. Non. Je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est égal à moi. Non. Quand Allah a dit ça, il a fini de parler. Mais d'autres viennent nous dire, non, il y a une autre divinité en dehors d'Allah. Et ceci, cela. Et cette divinité-là, on les fait passer au scanner. Un tout stop poteau. Soit c'est des divinités qui mangent, soit c'est des divinités qui sont des statues, soit c'est des divinités qui ont été accouchées, soit c'est des divinités qui sont des hommes. Il y a beaucoup de problèmes. Non. Il y a un chrétien qui disait, il y a un frère, il dit, pourquoi vous limitez Dieu? Pourquoi vous le limitez? Pourquoi vous dites par exemple Dieu ne peut pas devenir un homme? Pourquoi vous dites qu'il ne peut pas faire ceci, il ne peut pas faire ça? Donc vous voulez dire qu'il ne peut pas faire tout quoi? J'ai dit selon le Coran, Innallah ala kulli shay'in qadir. Il est certes capable de toutes choses. Certes capable et puis le faire, il fait. C'est pas ça. Si vous allez plus loin, vous dites que Dieu peut tout faire, non. C'est en cela que les musulmans, avec l'intelligence qu'Allah nous a donnée, parce que coraniquement, Allah s'adresse aux intelligents, à ceux qui raisonnent. S'il peut tout faire, est-ce que Dieu peut devenir Satan? Question. Il dit non. Mais donc est-ce qu'on veut dire qu'il ne peut pas tout faire? Non, il ne fait pas tout. Jusqu'à aller devenir l'être humain. Selon le Coran, l'ange Gabriel a pris forme humaine pour venir parler à Marie. Si Dieu lui-même prend forme humaine pour venir parler ou bien pour venir sur la terre, non. Entre nous et Dieu, quelle est la différence? Question. Et si toi prends une forme humaine, réfléchissons ensemble. Il doit avoir tous les composants qu'un être humain a. Et s'il a tous les composants, il utilise ça comment? Question. Il utilise ça pour faire quoi? Question. Tu peux imaginer Dieu arrêter quelque part et puis c'est quoi? Respectons-nous. Il y a des choses qu'on peut. C'est pourquoi la divinité des musulmans, on ne le voit pas, on ne l'imagine pas, on peut pas le. Il ne peut pas ressembler à quelqu'un. S'il y a un Dieu qui ressemble à quelqu'un, il n'est plus Dieu ça. Et l'éternel Dieu, non. Il n'a pas peur de sa propre créature pour dire c'est moi. Et puis on va lui faire quoi? Sourate 20. Le verset 14. Merci. Allah dit, c'est moi Allah. Pas de divinité à part moi. Adorez-moi donc. Accomplissez la salade pour vous souvenir de moi. Il a dit, c'est moi Allah. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Rien.
Donc nous venons ici pour dire le véritable Dieu que nous devons adorer, il s'appelle Allah, bibliquement et coraniquement, c'est son nom ça. Selon la Bible et le Coran, c'est Allah que nous devons adorer. Selon la Bible et le Coran, Jésus-Christ n'adorait qu'Allah, sans rien lui associer. Non. Selon la Bible et le Coran, nous ne devons rien associer à l'éternel Dieu Allah, il est unique sans associer. Claire. Aujourd'hui, nous sommes dans les rues, aujourd'hui, nous sommes dans les villes, et il y a des tonnes et des tonnes de personnes qui se convertissent à l'islam. Quand on dit que l'islam oblige les gens à devenir musulmans, frères, musulmans et non-musulmans, vous êtes tous témoins. Admettons qu'on obligeait les gens à devenir musulmans. À un moment donné, vous avez vu quelque part en Côte d'Ivoire, ton voisin chrétien est là, et puis tu t'en tapes sa porte pour dire non, deviens musulman. Sinon, on m'a dit si tu ne deviens pas musulman, quand tu es tué. C'est pas possible. C'est pour dénigrer l'image de l'islam. Mais chaque fois qu'il dénigre l'image de l'islam, Allah fait triompher l'islam. C'est-à-dire, c'est coranique ça. Oui. Quand tu attaques l'islam, tu fais sa promotion. Non. Quand on interdit les gens de porter le voile, on les interdit de s'habiller de manière vertueuse, mais les gens sont curieux à savoir. Mais pourquoi vous les interdisez? Ils s'en vont regarder et puis automatiquement ils se convertissent à l'islam. Non. Quand un album, la musique d'un artiste par exemple sort, son album sort, et puis l'album est censuré, c'est l'album qui va peut-être avoir 10 d'or. Parce que les gens vont aller payer pour voir, pour censurer là, nous on veut voir ce qui est dedans. Pourquoi vous cachez? Pourquoi vous ne voulez pas qu'on voit? Donc on se va voir qu'est-ce qu'il a dit et puis vous ne voulez pas qu'on écoute. Donc l'album marche plus encore. Donc pourquoi on dit, mais pourquoi c'est l'islam qui est toujours attaqué? Pourquoi c'est eux toujours, tout ce qui est mauvais là, c'est sur eux en main? Alors que mon ami musulman au quartier, il ne sait pas avec moi, mais quand je regarde l'image de l'islam que les gens nous propagent, j'ai l'impression que c'est un monstre. Donc automatiquement, tu comprends automatiquement que ça n'a rien à voir avec ce que les gens disent. Ils veulent simplement éteindre la lumière d'Allah avec leur bouche, non. Alors que Allah parachèvera sa lumière en dépit de la version des associateurs. Non. La mosquée est venue vers vous. Tu ne veux pas aller à la mosquée, c'est pas grave. Exactement. Tu as des interrogations sur l'islam. On t'a une fois dit que les musulmans ils adorent l'étoile. Oui, ça on t'a une fois dit. Non. On t'a une fois dit par exemple que les musulmans égorgent les cadavres. Oui, ça aussi on t'a dit. Non. On t'a également dit que quand tu lis le Coran, tu deviens fou. Bien sûr, on t'a dit. On t'a dit également que l'islam c'est des féticheurs, les charlatans, les terroristes, ça aussi on t'a dit. Maintenant nous on vient pour dire à ciel ouvert. Non. Le Coran est là, la Bible est là, viens poser tes questions, Inch'Allah, tu auras toutes les réponses dans le Coran et dans la Bible. Non. Vous qui adorez Jésus Christ, arrêtez s'il vous plaît. Il n'est pas Dieu, il n'est pas fils de Dieu, il n'est pas mort pour pardonner qui que ce soit. Ça peut te faire mal, mais c'est une vérité. À quoi sert d'avoir mal si on te dit la vérité? Alors que si tu meurs dans cette ignorance-là, et si tu vas te retrouver à l'enfer, tu vas dire quoi? Question. On va au jour du jugement dernier, on est là, et puis on observe, Dieu est là, c'est pas Jésus. On fait comment? On regarde, c'est Dieu qui est sur le trône là, c'est pas Maman Marie. On fait comment? À supposer aussi qu'on regarde, c'est pas Allah. On fait comment? C'est ça aussi. Parce qu'il ne faut pas parler des autres, il faut parler de soi-même. Si c'est pas Allah, et que celui qui est là, à supposer que c'est Jésus-Christ. Non. Mais moi j'ai dit à Aka, ouvre la Bible. Claire. Ah derrière, déposer. Jésus, il faut nous montrer où tu as dit que tu es Dieu. Exactement. Si c'est Allah, nous on prend le Coran, puis on vous montre. Voilà, Allah a dit qu'il est Dieu. Exactement. Où est-ce que Jésus-Christ a dit? Lui-même l'a dit là. Et c'est pourquoi Christ dira, je vais terminer. Matthieu 7, 21 à 26, non. Il dit au jour du jugement dernier, tous ceux qui lui disent Seigneur, Seigneur, va les rejeter tous. Mais tu entends ça. Tu sais qu'il va te rejeter au jour du jugement dernier. Tu continues de l'adorer. Tu continues de le prendre comme Seigneur. Au lieu de venir adorer le Dieu que Jésus-Christ adorait, non. Parce que Jésus et les musulmans, on adore le même Dieu. Jésus-Christ et les musulmans, nous adorons le même Dieu. Exactement. Mais les chrétiens et les musulmans, on n'adore pas le même Dieu. Exactement. La DDR, nous sommes présents. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On va prendre déjà les questions. Si ah, ok. S'il y a déjà les questions. Alors, est-ce que le scanner est ouvert? Voilà, parce que l'essentiel est déjà dit. Je crois que nous tous, sauf ceux dont les paupières du discernement n'ont pas cessé de se réveiller. Sinon, tout le monde ici est unanime sur la question du statut exact de la personne de notre cher vénéré prophète Issa alayhi salam. Mais nous, la DDR, comme vous le constatez, nous parcourons les rues et ruelles d'Abidjan et de la Côte d'Ivoire un peu de partout dans le but de transmettre le message. Et notre spécialité à nous, pour ceux qui nous prennent pour la première fois, c'est l'interreligieux. Et l'interreligieux consiste à faire le pli, à faire le ménage de toutes sortes de religions dites abrahamiques ou monothéistes dans le but d'acquérir la vérité unique et salvatrice.
Et voilà pourquoi nous, dans cette optique-là, nous avons décidé de faire l'échange public dans le but de s'amener à comprendre. Parce que l'échange, c'est la première des choses qui brise les barrières entre deux êtres humains. Et l'échange permet d'installer la quiétude, la paix. Et l'échange permet de connaître autrui. C'est vrai, souvent les contextes ne sont pas les mêmes. Souvent les gens ne nous comprennent pas, ils se posent la question pourquoi forcément la plupart de nos prédications sont centrées et basées sur le christianisme et pas les autres. C'est juste qu'ils n'ont pas compris. Parce que le seul à se réclamer de la religion monothéisme, à part les juifs, c'est bien les belles chrétiens. Ils sont nos frères adamiques dans la descendance d'Adam. Allah nous a dit dans le Coran de les appeler à une parole commune qui est l'adoration d'Allah sans rien lui associer et de ne pas nous prendre les uns les autres pour Seigneur en dehors d'Allah. Voilà pourquoi nous, la DDR, nous parcourons les rues d'Abidjan pour transmettre ce message-là. Et on côtoie et on conçoit et on trouve des gens qui nous posent des questions sur les religions ou bien sur certaines choses qu'ils n'ont pas compris de l'islam. Donc notre optique, ce n'est pas d'attaquer. Nous ne sommes pas des attaquants ni des défenseurs. Nous sommes juste des promoteurs. On fait la promotion de l'islam, mais dans son volet interreligieux. Voilà. Une fois que vous avez compris et que vous acceptez de devenir musulman, il y a les imams qui sont là qui vont vous apporter la profondeur, l'enseignement pur de l'islam. Nous, on n'est pas rentré dans l'enseignement pur et profond de l'islam. On vous donne que la surface. À vous de rentrer, d'accepter et de connaître la profondeur. Alors, tous ceux qui ne sont pas d'accord avec ce que nous avons donné comme allégation, le scanner est ouvert, vous pouvez venir poser votre question, demander un débat, échanger fraternellement, dans le respect, dans la courtoisie, et surtout dans la tranquillité, dans la paix. Parce qu'on ne peut ne pas être forcément d'accord, mais nous devons garder le sens du savoir-vivre, nous devons garder la tranquillité, nous devons garder la bonne moralité, et nous devons faire preuve de civisme. Sur ce, ouvrons le bal plutôt, et venons à une parole commune et que la vérité triomphe. Salam alaikum. Wa alaikum salam rahmatullah wa barakatuh. Monsieur Sirigui Konaté a demandé. Monsieur Sirigui Konaté a demandé s'il est présent, Inch'Allah. Vous pouvez poser votre question, vous inscrivez vos noms sur celui qui se promène, vous posez vos différentes questions, Inch'Allah, et on va aller à l'échange. Monsieur Sidi, pour vous, vous avez la micro. Donc, pour commencer d'abord, avant de poser ma question, je suis venu vous saluer publiquement parce que je me rappelle très bien 3 ans en arrière, la DDR était chez moi à la maison. Abbas Djané et Béni, si les Sikarifé, je vais essayer. Ma femme venait d'accoucher nouvellement. Oui, c'est un grand jour pour moi. C'est un grand jour pour la famille musulmane. C'est un grand jour pour Abbas Mel et l'équipe. Je vous salue pour un premier temps. Sois salué, mon frère. Je ne suis pas venu faire un débat avec vous, mais il y a quelque chose qui me fallait dans la tête en fait. Dans la famille de Imourana, surat 3, verset 55. Je reviens dessus parce que la plus grande prison sur la terre, c'est prison de conscience. On peut te condamner 40 ans, 50 ans en prison, mais il faut reconnaître que quelque chose te fatigue dans la tête. Il faut te débarrasser de ça. C'est tellement simple et honnête, non seulement c'est notre religion. Bien-aimé, qu'Allah met la baraka dans tout ce qu'on fait. Amin. Quelle est votre question? Ma question. Dans Sourate 3, verset 55, où Dieu s'adresse? Dans le Coran. Okay. Je mets fin à ta vie terrestre pour te faire monter dans les cieux. Et ceux qui t'ont cru et ceux qui t'ont pas cru, je jugerai là entre vous le jour de la rédemption. Quand je me retrouve, ça fait bientôt 7 ans que je cherche la réponse pour qu'on puisse me convaincre. Parce que la montée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je reviens derrière, il salue les sahabas qui sont dans les cieux jusqu'au 7e ciel. Issa alayhi salam se retrouve parmi les sahabas qui sont décédés. À ma grande surprise aujourd'hui, Issa n'est pas décédé. Je veux qu'on me décote ces parties-là. Pour être en l'aise dans la tête. Voilà pourquoi je suis venu vous poser la question. En tant que vous qui êtes là pour vous éclairer, parce qu'on était dans le noir en bas de Calobas, je ne suis même pas venu faire un concurrent de débat avec vous. Surtout, je suis fier de vous parce que quand je regarde Akasmael,
Aïe Oustaz Djané. C'est une fierté parce que j'ai toujours félicité les gens qui sont champions dans les domaines. Félicitations à vous, je m'arrête d'un peu mes temps. Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbi Alamin. Moi je dis ça tous les jours à tous les musulmans. Aucun musulman ne doit être embrouillé dans la tête ou avoir le doute que Issa Jésus-Christ soit mort ou il ne soit pas mort. Si tu vois qu'un musulman, peut-être il est dans le doute, est-ce qu'il est mort, il n'est pas mort, soit il est harcelé par des chrétiens qui vont lui faire croire que, tu vois, le Coran même dit que Jésus est mort, voilà pourquoi une manière d'être amadoué pour t'amener à devenir chrétien. Nous le disons tous les jours, que Jésus soit mort ou pas, ça n'enlève rien dans la foi du musulman. Si Jésus veut, il n'a qu'à mourir 1000 fois. Non, on est toujours musulman, ça ne nous empêche pas d'aller au paradis. Quand on croit qu'il est mort ou pas, on est musulman. Donc aucun musulman ne doit dire vraiment, moi-même ça me fait, ça me met le doute dans la tête. Ça veut dire, donc s'il est mort, le doute est quitté. Ou bien s'il n'est pas mort, le doute est quitté. Mais le prophète, lui, il est mort. Mais si le Coran dit dans la sourate 355, je vais mettre fin à ta vie terrestre. Beaucoup de musulmans ont dit, ça veut dire que Jésus est mort. Beaucoup de musulmans. Mais en même temps, moi aussi, il lit dans la même sourate, disons dans la sourate 4, verset 156 et suite, et ne l'a ni tué, et on ne l'a pas aussi crucifié. Parce que moi, je l'ai dit, il y a beaucoup qui m'ont dit, non, mettre fin à ta vie terrestre, ça veut dire non, je vais te faire mourir. Chacun donne son interprétation. Quand je lis, nous n'est pas des arabophones, certes, mais quand on lit, on dit, Allah dit, je vais mettre fin à ta vie terrestre, donc à ta vie sur terre. À ta vie que tu mènes sur terre. Mais moi, pour moi, je ne le dis pas pour Allah, ni pour le Coran. Pour moi, Oustaz, quand je regarde là, mettre fin à la vie terrestre de quelqu'un, est-ce que ça veut dire qu'il est mort? Mais mettre fin à la vie physique de quelqu'un, oui, il est mort. Maintenant, si on dit qu'il est mort dans la sourate 355, est-ce que ce qu'Allah a dit que le Coran ne se contredit pas, est-ce qu'il y a un problème? Non. Il dit, il ne l'a ni tué ni crucifié. Ça veut dire quoi? Il ne l'a ni tué. On ne l'a pas aussi crucifié. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est Allah qui l'a élevé vers lui. Mais on n'a pas dit c'est Allah qui l'a ôté son âme. Allah continue de dire, il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'auront pas foi en lui avant sa mort. Avant la mort de qui? Sa mort. Lui, sa mort, oui. Avant sa mort. Est-ce qu'on peut dire avant sa mort alors qu'il est déjà mort? La question est posée. Je répète encore. Que tu crois que Jésus soit mort ou il ne soit pas mort, ça n'enlève rien dans notre foi. C'est les chrétiens. C'est les chrétiens que leur foi est basée sur la mort et la résurrection de Jésus. S'il n'y a pas de mort et de résurrection pour le christianisme n'existe pas. Ce n'est pas le cas des musulmans. Que ce soit Ismaël qui soit sacrifié, vouloir être sacrifié par Ibrahim, ou bien Isaac, le musulman, ça n'enlève rien. Si c'était Ismaël à Isaac, on allait célébrer, commémorer. Si c'est Ismaël, on va commémorer. Même si c'était Jacob, on allait commémorer. Donc le musulman, il croit en Allah, que Jésus soit mort ou pas, ça ne nous engage en rien. Seulement, il y a des divergences sur la question de Jésus est mort, il n'est pas mort. Mais si tu quelqu'un te dit que Allah n'est pas Dieu et qu'il te démontre coraniquement, tu peux dire, ah vraiment, il y a un qui m'a montré qu'Allah n'est pas. Vraiment, j'ai commencé à douter. On peut dire oui, alhamdulillah, là on est d'accord. Maintenant, si Jésus est mort, mais nous on fait comment? Rien. Il n'est pas mort. Rien. Donc frère, il ne faut même pas douter de ça. Pour moi, encore une fois, Jésus-Christ n'est pas mort et il reviendra. Si quelqu'un me prouve par A plus B, selon le Coran, que Jésus-Christ est mort, il ne reviendra pas, je vais accepter. Ça ne diminue pas ma prière, ni ma bénédiction. Je continue de prier. Parce que si tu ne crois pas que Jésus soit mort, tu ne vas pas aller en enfer. Si tu crois qu'il est mort, est-ce que tu vas aller en enfer pour ça? Alors, Alam, qu'Allah donne la bonne compréhension. Bismillah. Oh, Oustaz Djané, j'ai compris la partie là, mais j'ai une deuxième question à vous poser. Bismillah. Sans vous enfoncer, parce que nous tous. Viens un peu comme ça, ça siffle trop. C'est sur la question de Mahloud en fait. Pourquoi j'ai dit sur la question de Mahloud? Parce qu'un homme qui aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chaque lundi, il y a plusieurs choses qui ont été confiées et conviées dans le conseil courant par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je voulais savoir, est-ce que pour faire carême de lundi sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour faire beaucoup de zikr sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qu'il faisait, on peut multiplier pour accepter pour le prophète ou pour attendre une année pour fêter pour le prophète?
C'est la partie là que je voulais vous poser comme question. Alhamdulillah, encore une fois, faire la salat sur le prophète. On n'a même pas besoin d'attendre lundi. Inna Allah wa malaikata wa sallun ala nabi. Allah le dit dans le Coran, c'est tous les jours, même dans nos prières. Et même, tu ne peux pas accomplir une prière sans faire la prière sur le prophète. À la fin de la prière, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Tous les jours on fait. Donc on n'a pas besoin d'attendre lundi pour ça. Maintenant, quand il s'agit des maulouds, beaucoup ont dit, le prophète n'est pas né le 12 Rabi al-Awwal, mais il est plutôt mort le 12 Rabi al-Awwal. Donc sommes-nous en train de commémorer sa mort ou sa naissance? C'est ça la question. Il y en a qui ont dit non, il est né le 12 Rabi al-Awwal. D'autres disent non, c'est plutôt sa mort. Mais Abdelmajid a dit que si on veut commémorer la naissance du Prophète sallam, on fait comme lui le faisait, jeûner chaque lundi, parce que le Prophète sallam a dit, je suis né un lundi, donc je jeûne chaque lundi. Mais il n'attendait pas la date de sa naissance pour commémorer son anniversaire en jeûnant, mais il le faisait plutôt le jour de la naissance et non la date de la naissance. C'est-à-dire que pas une fois dans l'année, mais au moins chaque lundi il jeûnait. Donc dans la sunna, on jeûne les lundis et les jeudis, les lundis et les jeudis. Le prophète jeûnait les lundis. Donc Maulidul Nabawiyya, c'est-à-dire la naissance du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, encore une fois, c'est des divergences en islam. Certains le célèbrent, certains ne le célèbrent pas, parce qu'on dit que non, on n'a pas trouvé aucune trace de Maulid chez le prophète, ni chez les compagnons, ni les quatre grands imams de la jurisprudence islamique, nulle part. Mais les gens ont dit, bon, on n'a pas trouvé là-bas. Mais est-ce que prier sur le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, exceptionnellement pendant une période, est-ce que c'est mauvais? Donc, non, c'est pas mauvais. Mais pour dire qu'on célèbre Maulid, on l'a dit samedi passé, non, sur le terrain du tribunal. Certains ont commencé à faire champagne de Maulid. C'est-à-dire qu'ils sont en train de célébrer Maulid du Prophète sallam et puis on pète champagne. Ça est sur Internet. On coupe gâteau. Ça est sur Internet. Ça danse ici, ça danse là. Est-ce que c'est comme ça le prophète faisait? Vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre. Donc, souvent, ça nous envoie dans d'autres, hein, d'autres pratiques qui n'ont rien à voir avec l'islam. Donc, un jour viendra, peut-être tu vas avoir un uniforme de professeur Azalam. On ne sait jamais où. Donc, c'est pourquoi, c'est que tu ne peux pas terminer pour ne pas commencer. Moi, je ne célèbre pas Maulid. Je ne célèbre pas Maulid. Voilà. Mais ça ne fait pas de moi un mécréant. C'est moi qui ai décidé la manière de célébrer Maulid pour moi. Je vais faire sur le prophète chaque jour. Je n'attends pas un jour dans l'année. Je n'attends pas. Mais certains aussi disent, on n'a même pas besoin d'attendre sa naissance. Il y a des jours où ils se rassemblent. Et puis ils font la salat sur le prophète. Enseigner la biographie du prophète, c'est pas mauvais. Montrer le prophète aux gens, c'est pas mauvais. Mais aller célébrer Maulid aujourd'hui, il y a des divergences de ce moment. En tout cas, je ne le fais pas. Il dit ça suffit pour lui. Merci beaucoup mon frère. Qu'Allah me donne la bonne compréhension. Bismillah. Monsieur Goribi a demandé. Avant que Monsieur Goribi ne rentre, nous tenons à signaler à nos frères, les internautes qui nous suivent. Allons-y. Que comme vous le constatez, chaque fois qu'il y a des directs de la DDR, il y a des parties où vous voyez des étoiles. Vous cliquez là-bas. Ensuite, si vous avez une carte prépayée, vous pouvez faire votre fils habillé là pour aider la DDR à évoluer. Donc les étoiles, c'est pour c'est comme votre participation à l'évolution de l'avancée de l'islam. Voilà, donc vous mettez les étoiles, et chaque fois que vous mettez les étoiles, vous allez voir que ça apparaît, et au fur et à mesure, on fait des doigts, on fait des bénédictions pour vous. Et chaque fois que vous envoyez des étoiles, qu'à la fois que votre vie soit remplie d'étoiles, Amin. Partout, vous allez vous illuminer, vous éclairer vos lanternes, que vous éclairez ceux qui sont autour de vous. Que vous soyez des étoiles pour ceux qui sont les ténèbres. Sur ce, qu'Allah vous accorde beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et que là où vous avez enlevé pour mettre, qu'Allah multiplie. Monsieur Bori, bonsoir. Bonsoir, frère. Bonsoir, bien-aimé. Bonne arrivée. Ah, c'est toi. Oui, c'est bonne arrivée. La dernière fois, on a commencé un peu, mais vu le temps, on n'a pas fini. Ok. Donc, déjà, je suis Christian Gouré, tel que vous le connaissez. Je vais dire quelque chose d'abord, une minute avant de poser ma question. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, là, sur la terre, nous sommes des hommes. On n'a pas connu Mahomet, on n'a pas connu Jésus physiquement. C'est pourquoi notre prophète qui nous enseigne, il nous a dit, ne vous bornez pas ce que vous entendez dire seulement, mais sortez aussi, allez-y écouter. Voilà, vous verrez
si lui ce qu'il est là, voilà, s'il est vrai ou faux, et c'est pour cette raison que je suis là. Voilà, je ne suis pas venu ici en vain. Maintenant, aujourd'hui, il y a plusieurs clergés, plusieurs organisations qui prêchent pour leur propre vent. Quand on passe partout, même sur les chrétiens comme sur les musulmans, ça existe. Voilà, donc si je suis ici là, la dernière fois que je suis venu, je vous ai demandé pourquoi chez les musulmans, vous dites que c'est Allah qui est Dieu, vous ne croyez pas à la résurrection de Jésus-Christ, ni à la mort, ni sa divinité, pour qu'il soit Dieu. Vous ne croyez pas. Ok, il n'y a pas de problème. On laisse la Bible. Mais c'est Allah qui est Dieu là. On va maintenant sur le Coran, puisque nous, on n'a pas de connaissance sur le Coran. Donc si on vous pose la question sur le Coran, vous devez brièvement répondre sur le Coran. Et non, parce que vous dites que toute la Bible contient des paroles de Dieu. Mais toute la Bible n'est pas la parole de Dieu. Moi, je vous ai écouté sur le Facebook. Je confirme. Voilà, c'est ce que vous avez dit. Si toute la Bible n'est pas la parole de Dieu, maintenant, si moi, je viens ici étant chrétien, et que je veux comprendre quelque chose sur le Coran, et que tu prends un verset biblique pour étayer déjà, il y a problème. Parce que il faut que tu restes dans le courant pour que l'explication que tu vas donner là, ça soit explicite, pour que je comprenne mieux. Voilà, donc aujourd'hui là, ma question est claire. Pourquoi dans Sourate du 9, 70 à 72, pourquoi le Coran dit que tous les croyants ou encore tous les musulmans, qu'ils vont mourir là, ils vont passer par l'enfer. C'est écrit l'enfer. Or, le verset qui a été donné là-bas, là, c'est pas écrit l'enfer, hein. C'est écrit par le sel de feu. Voilà, donc on va se limiter ici dans le Coran. Je suis venu pour comprendre la version du Coran et non pour la Bible. Parce que pour la Bible, s'il veut expliquer, on n'a pas fini. Donc, je vous écoute un peu. Bon arrivé, monsieur Gouiri, c'est Gouiri. Gouiri. Enchanté, mon frère. Le problème, c'est que vous n'êtes pas la première personne à nous poser la question sur la sourate 19, 71 à 72. Nous sommes à notre énième réponse. Mais on a remarqué que notre réponse ne satisfait pas notre co-débatteur ou bien celui qui nous pose la question. Et pour qu'il puisse comprendre notre développement, pour qu'il puisse accepter ce que nous disons, nous lui faisons lire un verset de sa propre Bible. Je ne sais pas si tu comprends, hein. C'est-à-dire... Si tu dis que ma femme est vilaine, il envoie un miroir qui met devant ta femme. Et puis il faut regarder. Si tu regardes dans le miroir et puis tu te fâches, c'est qu'il y a quelque chose. En fait, comme on explique chaque jour, on explique ça là chaque jour. Sourate 19, 71 à 72, est-ce qu'on n'a jamais expliqué? On explique ça chaque jour. Et puis je sais que tu sais qu'on explique ça chaque jour. Je viens. Mais le problème, c'est que la plupart du temps, les gens ne comprennent pas. Et ils ne sont pas satisfaits, ils ne sont pas d'accord. La sourate 19, 71 à 72, a son explication en ce qui concerne les débats interreligieux. C'est-à-dire de toi à moi, si je dois t'expliquer pour que tu puisses comprendre, je n'ai pas venu t'expliquer comme explique le tafsir, l'exégèse de ce verset-là. Parce que l'exégèse parle de ceux même qui sont déjà musulmans, qui comprennent, qui sont déjà dans le fond, comme je parlais au début. Parce qu'il y a des choses que moi, il t'explique maintenant, tu vas commencer à te moquer, t'as dit, oh, est-ce que c'est possible? Si tu viens de parler du pont Sirat, t'as dit, comment il peut avoir pont? Est-ce que Dieu, c'est... On a entendu un qui disait, mais Ado fait pont, Dieu aussi fait pont. Tu vois, ça devient de l'ironie. On ne va pas se comprendre. Mais si je prends ça dans ta Bible, tu vas comprendre. Parce que ça dépend de comment moi il te pose la question pour que tu comprennes le verset 19, 71 à 72. On va refaire le film. Cette fois-ci dans la tranquillité. Prenez la Bible, allez-y lui donner. On va refaire le film. Si réellement tu es venu pour comprendre. Si réellement tu es venu comprendre, soit 19, 71 à 72. Je vais t'amener à comprendre quelque chose, mon frère. Donnez-lui et puis laissez-le tranquille maintenant. Voilà. Donnez-lui. Aidez-le seulement. Je vais t'amener à comprendre une chose, frère. Frère. Je vais t'amener à comprendre une chose. Après cette lecture-là, je vais te poser une question. Et après ta réponse-là, je vais t'amener à comprendre un élément très important que je ne veux pas que tu oublies. Allons-y. Faut lire le verset. Qu'est-ce que dit la Bible? Tout le monde
tout le monde passera par le feu de la souffrance et recevra du sel pour devenir pur. On dit tout le monde passera par le feu de la souffrance. Tout le monde passera par le feu de la souffrance. Sur Actes 19, 71 à 72. On a bien entendu, hein, tout le monde passera par le feu. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Point. Il n'y a personne parmi vous aussi qui ne passera pas par l'enfer. Non, oui, moi je suis sur le mot passer là. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas, non. Là-bas aussi, tout le monde passera, non. Ce qui veut dire que la Bible dit, tout le monde va passer dans le feu. Moi, ma seule question que je veux savoir d'abord, avant de continuer, c'est dans quel feu tout le monde va passer. C'est tout ce que je veux savoir, c'est quel feu où tout le monde passe dedans et puis il reçoit du sel pour devenir pur là. C'est quel feu? Allume d'abord, allume le micro d'abord. Pousse pas là à côté. Voilà. Merci frère. C'est quel feu? Bon, le feu dont il s'agit ici là, quand on prend, la Bible s'explique en elle-même. D'accord. On ne prend pas la pensée humaine démontrée. D'accord. Quand on prend le livre de Esaïe 29, 11, on dit la Bible est cachetée. La Bible là, elle est cachetée. Donc on ne peut pas prendre directement un verset comme ça puis la comprendre tel qu'on veut. Vous voyez non? Donc ici là, c'est écrit par le sel de feu. Non. Or, c'est écrit par le feu de la souffrance. Mais il y a sel dedans? Non, il n'y a pas sel dedans. C'est quand il passe par le feu et puis après tu reçois du sel pour devenir pur. Ok. D'abord, il y a feu d'abord, ça te brûle bien et puis après on met sel sur toi. Mais tu reconnais qu'il y a au moins sel, le mot sel dedans, non? Il sait qu'il y a sel. Il y a sel. Mais il n'y a pas de feu là d'abord. Feu là. Feu de la souffrance. Ma question n'est pas sur le sel. Ma question est sur le feu de la souffrance. Or, dans le courant là, il est écrit l'enfer. C'est ça où? L'enfer, c'est pas feu. Je veux savoir, est-ce que l'enfer c'est un feu? Ah, c'est ton appui, il demande. Ouais. L'enfer, est-ce que c'est le feu? Ici là, on dit le feu. D'accord. Oh, l'enfer là, c'est pas le feu. J'ai compris. Non. C'est pas le feu, non. Dieu parle du feu là, il parle de quoi? Donc dans le Coran, l'enfer c'est pas le feu. Maintenant, s'il veut expliquer maintenant selon la vertu des Écritures, où est-ce là? Non, faut répondre. Est-ce que l'enfer dans le Coran c'est le feu? C'est écrit l'enfer là, on sait. Dieu a décrit dans la Bible. Est-ce que c'est le feu? C'est à quoi il demande? Tu as dit dans le courant, moi je ne connais pas le courant. Tout à l'heure tu as fait une phrase, tu dis l'enfer dans le courant là, c'est pas le feu. Mais c'est clair. Non, c'est pas le feu. Non, c'est à vous, il demande. C'est une phrase. Attends, c'est une phrase affirmative ou bien c'est une phrase interrogative? Tu m'interroges ou bien tu dis? Tu fais une affirmation. Est-ce que dans le courant, l'enfer c'est le feu? Par ma connaissance là. Par ma connaissance là. Je sais que le feu dont il s'agit, approche. Par rapport à ma connaissance là, il y a plusieurs types de feu. Non, selon la Bible, on va y arriver. Le courant, je ne connais pas. Je ne connais pas. Il y a des clés, je ne connais pas. Donc, tu ne connais pas l'enfer là. L'enfer, quoi? Donc, tu ne connais pas l'enfer. C'est pourquoi je vous pose la question pour me répondre. Mais vous me répondez par une question. Ça devient compliqué. Si on fait, je vais te dire quelque chose. Voilà. Qu'est-ce que je vais te dire? Bon, en revenant maintenant, tu vois qu'il y a la problématique. Tu vois que toi-même, tu commences à être un peu confondu dans tes dits. Parce que tu dis l'enfer, c'est pas le feu. Tu sais pourquoi tu dis ça? Parce que tu sais très bien qu'en âme et conscience, dans ta tête et dans ton âme, la Bible ne peut pas te dire que tu vas en enfer. Tu sais très bien. Comment est-ce que tu sais? En fait, tu es gêné parce que tu ne peux pas dire oui, il est passé dans le feu. Moi, je veux savoir c'est quel feu dans lequel toi tu vas passer. Le feu de la souffrance. Ils n'ont pas dit le feu de la chaleur, on dit de la souffrance. Ah, en enfer, là, c'est que c'est un feu qui te brûle et puis c'est en souffrance. Je viens. Comme tu ne peux pas me définir, qu'est-ce que signifie le feu de la souffrance? Sinon, moi, je vais te laisser un. Si tu veux te laisser, tu me définis qu'est-ce que signifie le feu de la souffrance dans la Bible. Tu vas définir. Je n'ai pas dit le sel, hein. Le feu de la souffrance. Ok, tu as l'opportunité. Allumez son micro aussi. Il a dit quoi dans les Écritures que nous les chrétiens là. Dans quel verset? Il a dit dans les Écritures que nous les chrétiens là, nous sommes comme de l'or. On doit oublier, on doit passer par le feu pour être épuré. Pour être épuré. Le feu, c'est quoi? Ce sont les difficultés de la vie. Les difficultés de la vie, c'est-à-dire que les ornières, tout ce qu'on vit là, on doit passer par là. Un enfant de Dieu, frère, il doit passer par là pour rentrer dans sa gloire. Et le Christ qui est en lui là, c'est écrit. C'est écrit où? C'est ça qui est notre problème. Ici là, on n'est pas dans un verbiage. C'est écrit où? Ce que tu dis là, c'est écrit où?
Tu dois savoir d'abord que on n'est pas ici. On n'est pas ici. Attends, on peut remonter dans Marc 9, 45 pour descendre. Tu vas voir de quoi il s'agit. Vas-y. Marc 9, 45 pour descendre. Marc 9, 45. Si ton pied te fait. C'est ça. Si ton pied te fait tomber dans le péché, coupe-le pour toi. Il vaut mieux entrer dans la vraie vie avec un seul pied. Continue. Avec un seul pied. C'est mieux que de garder les deux pieds et d'être jeté dans le lieu de souffrance. Vas-y. C'est quel lieu? Allons doucement. On est là doucement. La Bible a parlé de la gêne. Oui, le lieu de la... Oui, le lieu là, ça s'explique. C'est quel lieu? Quand la gêne là, le feu ardent, la gêne. Et puis, le feu, c'est pas conforme. Bon, c'est pas grave. Non, c'est clair. Non, c'est pas dit qu'on n'a pas resté dans le courant. Parce que si on veut rentrer là, si il explique là, il va vous faire baptiser. Il va vous faire baptiser ici. En fait, bon, pas vous les chrétiens, certains de nos frères chrétiens, en fait, ce qui est bien chez vous aimez trop Angéliman. Voilà, vous aimez trop. Restons dans le courant, frère. Il faut pas aller dans le courant. Moi, je sais t'expliquer, c'est que le problème, c'est que toi-même, tu n'arrives même pas à faire une phrase. Mais tu dis, tu as écrit un livre. C'est ça que le problème. Toi, tu ne sais pas faire une bonne phrase. Tu dis, tu as écrit un livre. Les chrétiens ne sont pas allumés. Tu dis les chrétiens vont passer par le feu. Il dit les chrétiens là, ils sont considérés comme de l'or pur. Ils doivent passer par le feu pour être épurés. C'est écrit où? Est-ce que dans le passage, on dit, attends, je vais savoir. Marc 9, 49 là, on dit tout le monde ou bien on dit les chrétiens? C'est écrit tout le monde. Est-ce que tout le monde est chrétien? Tout le monde quoi? T'as entendu? Tout le monde aussi là. Est-ce que tout le monde est chrétien? Tout le monde. Hein? Pas à pas. Toi, tu veux me baptiser, hein? Non, c'est ça, il dit là. Alors, c'est pas ma phrase. Tu écris livre, tu mets sur Amazon. C'est que vous faites là. C'est dit qu'on t'a dit. On revient maintenant dans l'explication claire pour que les gens comprennent. Voilà. Frère, la sourate 19, 71 à 72 là, ne dit pas que les musulmans iront en enfer. Ça dit quoi? Voilà, ça ne dit pas ça. Parce que comment tu peux accepter que le Coran peut dire que les musulmans vont en enfer et puis les gens peuvent devenir musulmans? Ah si. Non, faut écouter. Faut écouter maintenant. Comment tu peux, si tu sais que dans ta tête, aucun livre ne peut promettre l'enfer à ses adeptes, et puis ils vont rester toujours adeptes de ce livre-là, de cette divinité-là. Toi, tu ne peux pas dire à ton enfant, si tu rentres chez moi à 20h, il est égorgé, puis à 20h, il est là-bas. Tu sais très bien que c'est impossible. Comment le Coran va nous dire, nous, on va en enfer? On voit, hein? Et puis à 18h, on va dire prier. Comme tout, il faut danser, puis il faut réfléchir aussi. Avant même que je t'explique, toi-même faut regarder, est-ce que c'est normal? C'est écrit que vous allez passer par l'enfer. Voilà, passer par l'enfer. C'est on ne va pas rester là-bas. Pourquoi le paradis qui est si glorieux, si vous ne partez pas là-bas directement, que Dieu va vous faire passer par le feu Adam, vous partez là-bas, c'est qu'il y a un problème. Attends, il veut savoir, on va passer ou on va rester? On dit vous allez passer par l'enfer. Non, attends, tout ce qu'on ne faut pas dire oh. Question. Est-ce qu'on va passer ou on va rester? Vous n'allez pas rester. C'est pas écrit que vous allez rester. Explique-moi. On dit donc, vous allez passer par l'enfer là. Donc il y a, ça signifie quoi? Il y a deux lieux. Il y a l'enfer et puis il y a le paradis. Donc si on passe par l'enfer, on va où? Si la destination c'est le paradis. Mais pourquoi vous passez par doucement? Ah, on va au paradis. Donc les musulmans iront. Il faut répéter. Pourquoi par l'enfer, frère, on est ici là, on n'est pas les philosophes, c'est les intellectuels. C'est écrit. Je suis d'accord. Toi-même, tu m'as aidé. Tu dis, on va passer, on va pas rester. C'est pas moi qui ai dit, c'est le courant qui a dit. Oui, mais toi-même, tu as dit tout à l'heure, on va pas rester. C'est pas ce que tu as dit. Nous, les musulmans, on va pas rester, on va passer, non. Si on passe là-haut, on va où? Je te réponds par. Je vous réponds maintenant par ma connaissance. Je suis la vie, parce que moi je ne connais pas. C'est qu'est-ce qu'il faut répondre? Si on passe par l'enfer,
alors qu'il y a l'enfer et puis il y a paradis seulement. Si on a passé, on va où? Quand Jésus disait dans Matthieu 7, 21, tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Tu comprends, non? Là, Jésus est clair ici. C'est celui-là qui va faire la volonté là. Oh, la volonté c'est quoi? Selon Jean 6, 40. Est-ce qu'on est arrivé là-bas? Je viens t'expliquer. Frère, j'ai dit, si on passe, non. En fait, ce que tu m'as dit là, c'est pas le sac. Je vais arriver c'est ça qui est le problème. En fait, hein, vous qui nous suivez, c'est ça que le problème. Et puis on dit que je ne les laisse pas parler. Parce qu'on pose une base. On est sur blanc. Toi, tu nous emmènes dans violet. Non. Pardon, on n'a pas assez de temps. Je demande. Si on passe par l'enfer et que tu es d'accord qu'on ne reste pas, on va où? Merci. Merci. Vous avez dit de ce que vous n'avez pas assez de temps. Une âme gagnée là, ça suffit pour tout pour vous. Donc, il ne faut pas dire que vous ne pouvez pas être pressé. Moi, je demande à ce que tu m'as gagné là. Si je suis dans le faux que tu m'as gagné. En fait, il y a beaucoup de personnes. Tu n'es pas le seul à être gagné aussi. Est-ce que c'est le seul? Mais si il n'est pas gagné, qui a gagné? Tu as produit plusieurs jours. Frère, c'est ce que j'ai dit. Si il n'est pas gagné, qui a gagné d'autres âmes? C'est des âmes bon. D'autres âmes là. D'autres après toi, il y a des gens qui après toi, il n'y a pas gagné d'autres âmes. Mais ça suffit pour Dieu. On dit une âme gagnée et la chose. Mais si tu as le temps, on a converti 4 personnes aujourd'hui, on n'allait pas venir ici. Si toi, il n'était pas eu. Frère, comment me répondre? Mais il t'a répondu, moi je te pose la question, j'ai dit, tu dis que nous on va pas rester en enfer, on va passer. On va où? Maintenant si on passe là, on va où? Ah, ça dépend de ça quoi, dépend on n'a pas chassé, nous on n'a pas chassé. Pour expliquer, vous avez dit que vous avez déjà expliqué plusieurs fois. Moi c'est pas là. Non, en fait. Écoutez-moi. Moi je suis pas venu, c'est un musulman qui me gêne toujours. D'accord, si tu réponds à ça, ouais, il m'a pris sur le bouton même. Non, si tu réponds à ça, frère, il a bien fait, que Dieu le bénisse. Voilà, expliquez-moi, frère, sur la vertu du Coran. Si tu réponds, on va t'expliquer. Si on quitte l'enfer, on reste pas en enfer, on passe, on va où? Dès que tu réponds, il t'explique. Merci, j'ai été clair, je dis que le Sourate dit, Sourate ici, il dit que non, vous devez passer par l'enfer pour aller au paradis. On va aller au paradis. Donc on va aller au paradis. Très bien, très bien, très bien. Ah, enfin, merci. Donc on va au paradis, Dieu merci. Très bien, en fait tu as raison, nous on va pas aller en enfer. Ce qui est sûr, qu'on passe au, qu'on saute au, qu'on se tourne au, c'est que si on va pas rester là-bas, on va partir au paradis. Ça c'est sûr. Moi si tu me dis Ismaël, je te fais passer en enfer pour t'envoyer au paradis, viens dire, vas-y fais-le. Tu as comment dit? On va t'envoyer au village, tu vas aller faire chant d'abord, mais après tu vas en France. Mais il est fait où? Alhamdulillah. C'est que celui-là, s'il est parti en enfer pour aller au paradis, là, c'est pas grave. Parce que c'est la destination finale qui compte. Ouais. Parce que là-bas où il est, c'est pour être éternel. C'est un paradis éternel. C'est pas passager. Or, le passage, c'est une action temporaire, bien définie dans un cas de figure. S'il est passé, c'est pas là pour rester. C'est pour un temps. Si je m'en fous. Donc, pour expliquer maintenant le contexte interreligieux de la DDR de ce verset, on va repartir au verset 66. Tu veux parler? Un peu seulement. Allons-y. Selon ce que vous venez de dire là, le Christ a dit dans Matthieu que il y a deux chemins, deux voies. Mm-hmm. La voie qui mène au paradis est large et spacieuse. D'accord. Et la voie qui mène la voie qui mène au paradis est étroite. Étroite, merci. Mais la voie qui mène plutôt à l'enfer est large et spacieuse. Mais vous verrez, en comment vous, votre Dieu qui est Allah, il va vous faire passer d'abord, il y a deux chemins. Mm-hmm. Deux chemins. Mm-hmm. Il va vous faire passer d'abord par l'enfer, il y a deux chemins. D'accord. Si vous prenez votre Satan là, c'est Satan qui va vous accueillir là-bas. Dis-moi. Je vois d'accord. Pourquoi vous êtes perdu? Non, je veux savoir. Oui. Moi je suis d'accord que tu dises que je suis perdu, c'est pas grave. D'abord. Le Coran même confirme ça. Je viens. T'as pas dit que tu connais pas le Coran. La soirée de la mais attends, est-ce que sur la tu n'es pas d'accord qu'on passe? Vous passez. Alors que c'est nous prenons la route déjà la perdition. Frère, je veux savoir, quand tu passes quelque part là, est-ce que tu restes là-bas? Je sais pas contre vous, hein. Vous êtes mes frères, je sais pas contre vous, mais le problème est clair. Mais qui est contre toi? Moi, j'ai dit, frère, je suis pas fan de toi. Non, j'ai dit seulement que tu as déjà, on n'a qu'à laisser à faire notre destination parce que tu as reconnu qu'on va au paradis. On ne débat plus dessus. De ta bouche, c'est comme si que nous on va au paradis. Maintenant, comment on va aller là? C'est pas ça qui est le problème. Voilà, tu dis, nous là, choco na choco, on s'en va au paradis. C'est ce que toi tu as dit. Et ça, moi je te dis, allons dans ton sens. Moi je ne dis pas que les musulmans vont passer en enfer. Je vais dans ton sens.
Sinon, on va prendre la sourate 43, 68 à 70. C'est la même chose à Claude. Il n'y a pas passé quelque part. On passera quelque part. Quand Dieu promet le paradis aux musulmans, il ne dit pas vous allez passer en enfer. Et puis vous allez venir au paradis. Non. C'est dans votre conception, vous chrétiens, ce que vous dites ça. Et regarde ce que tu as fait. Tu as fait le parallélisme en prenant la Bible pour justifier le Coran. Est-ce qu'il est fâché? Mais si moi je fais ça tout de suite, tu as dit non, restez dans le Coran. Tu dis, Jésus a dit à deux passages. N'est-ce pas? Il y a le chemin de l'enfer, puis le chemin du paradis. Très bien. Mais est-ce que Jésus a dit que vous les chrétiens, vous partez au paradis? Il faut écrire, il faut parler fort dans le micro. C'est clair. C'est quoi? C'est clair. C'est écrit où? Il y a été ça la dernière fois ici. On dit en fait un verset où on dit Jésus nous l'a dit, vous les chrétiens, vous allez aller au paradis. Mais c'est ce qu'il vient de dire de suite là-bas. T'as dit quoi? Celui qui aura le rang des sous, Matthieu 7, 21. C'est pas ce qui est écrit. Jean 6, 40. C'est pas ce qui est écrit. C'est pas ce qui est écrit. Le rang des sous, c'est qui? C'est le paradis. C'est pas ce qui est écrit. Est-ce que c'est écrit que les chrétiens, il vous a dit chrétien va au paradis? Voici le plan. Oui. Les chrétiens vont au paradis. C'est pas écrit. Voilà. C'est de ça non. C'est de ça non, parle. Donc tu sais très bien que c'est pas écrit noir sur blanc. Oui. Mais comme tu as gros qui était là-bas. Non. C'est pas pour ça. C'est pas pour ça. Mais c'est pas quoi? Tu vois bien que c'est pas écrit que vous allez au paradis. Dans le rang de celui-là, c'est pas paradis. Le rang de celui-là. Mais est-ce que c'est dit que c'est pour les chrétiens? C'est ça que le premier. Il m'a dit qu'il n'y a pas le royaume des cieux dans la Bible. Dans la Bible, il y a trois versets qui parlent du paradis et plusieurs versets qui parlent du royaume des cieux. J'ai dit, est-ce que quand on parle du royaume des cieux, là, est-ce qu'on promet ça aux chrétiens? Le royaume des cieux, c'est les chrétiens purs qui vont. C'est écrit où? Merci. Ceux qui ont cru en Jésus-Christ et qui ont confessé de leur bouche là, qui ont cru en esprit, en vérité, qui ont confessé, c'est eux là qui sont les chrétiens. On va lire le verset. Romains 19, c'est ce que tu as dit là, c'est un verset de la Bible. On va voir si ça parle des chrétiens. Vous voyez qu'en fait, des débat sur la Bible, c'est toi qui as pris. Coran, on a fini avec mon frère. On a fini avec le Coran longtemps. Tu dis qu'on ne va pas rester en affaire. Le débat est fini. On a qu'à t'expliquer pour encore. Donc, allons-y, lis Romains 19. Parce que tu prends ça pour t'appuyer dessus. On va lire le verset pour voir si toi, chrétien, ça te concerne. Si tu es d'accord avec le verset. Répondre, c'est mieux qu'il y ait un sorti. On va finir. Ah, toi-même, tu es sorti ou bien? Tu vas me répondre par le coup. Aujourd'hui, là. Là, frère. Si vous prenez là, si moi, je prends ça là, on va pas foutre ici. Quoi? Si je vais vous montrer la Bible selon la connaissance publique là. Chose bizarre. Regarde comment pousser les menaces. Non, mais les tu me menaces. Tu me suis. C'est pas muscle. Voilà la Bible là-haut. Tu as pris Romains 19, non? On va lire. Faut lire. Romains 19. Écoute bien. Romains 19. C'est ton seul verset que tu comptais dessus. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, c'est ce que tu as dit. Allons-y. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité des morts. Ensuite, tu dois croire dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus des morts, tu seras sauvé. Je veux savoir, est-ce que tu crois que Dieu a ressuscité Jésus? Dieu a ressuscité, je crois parfaitement. Donc Jésus n'est pas Dieu. Qui est Dieu? Qui est Jésus? Pose-moi la question. Pose-moi la question. Pose-moi la question. Je vais te poser quelle question. Pose-moi la question. Le Dieu qui a ressuscité Jésus. Est-ce que tu es sûr que Dieu a ressuscité Jésus? Est-ce que tu es sûr d'abord que Dieu a ressuscité Jésus? Ok, merci. Prenons Esaïe 35:4. Est-ce que tu es d'accord que Dieu a ressuscité Jésus? Je suis d'accord parfaitement. Le Dieu qui a ressuscité Jésus là. Non, attends, attends d'abord. Dieu a ressuscité Jésus. Claire. Est-ce que Jésus est Dieu? Merci. Prenons Esaïe 35:4. Il dit, voilà, je suis un pécheur. Donc je ne peux pas avancer selon Pierre 2:21 là. On va prendre tous les versets que tu as à prendre là. Tu as cité on va prendre. Parce que ça sera ton seul argument contre le frère d'Ali. Il y a tout dans le verset. On va prendre ton verset. C'est pas grave. On prend Esaïe 35. Verset 4. Voilà. Tu dis à ceux qui ont le cœur troublé. Dis à ceux qui ont le cœur troublé. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Prenez courage. Ne craignez point. Voici votre Dieu. Voici votre elle est petite. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. Oui. La rétribution de Dieu. Oui. Il viendra lui-même. Et vous sauvera. Il viendra lui-même. Allons-y. Qui est venu vous sauver? C'est Jésus.
Il a répondu déjà. C'est Jésus qui est venu nous sauver. Mais c'est Jésus qui est venu nous sauver à la croix. Par son sang, glorieux. C'est celui qui est venu nous sauver. Mon frère, allons doucement. Qui est venu nous sauver? C'est Jésus Christ qui est venu nous sauver. Comprends Philippiens 2. On dit. Lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé le bien. Laisse-le. Laisse-le. N'a point regardé. N'attrape pas le micro, laissez dans sa main. Lequel existant, Philippiens 2, 7. Lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur et en devenant comme un simple homme. Donc, qui a ressuscité Jésus? Jésus-Christ là, il est le Dieu Tout-Puissant. Parce que le Dieu dont on parlait là, quand on prend Jean 14, Jean 14, 6, 8 là-bas, qui a ressuscité Jésus? Qui peut ressusciter Dieu si ce n'est pas Dieu lui-même, frère? C'est Dieu lui-même, Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même. Non, c'est Jésus qui s'est ressuscité lui-même. C'est clair. Bien sûr. C'est une révélation. Jésus s'est ressuscité lui-même. Tu n'as jamais vu ça? Prenez note. Hein. Il faut me répondre. C'est qui est possible aujourd'hui? Est-ce que Jésus s'est ressuscité lui-même? C'est clair. Oui. Voilà, pourquoi dit qu'il est venu, oui, là les gens vont comprendre. Oui, est-ce que Jésus s'est ressuscité lui-même? Oui et oui. D'accord. Si c'est ressuscité lui-même, est-ce que c'est lui-même qui s'est tué? Non, c'est les sous. Selon les Écritures, selon Ésaïe 53. Selon Ésaïe 53, ça a été annoncé qu'il va venir par ses maîtrises. Attends, qui a tué Dieu? Pardon? Qui a tué Dieu là? C'est les hommes. Qui peut tuer Dieu? Est-ce qu'on peut tuer Dieu? C'était une mission. C'était une mission. Pas tuer Dieu. Jésus est mort, mais il n'est pas mort. C'est lui-même qui s'est sacrifié. Non, c'est lui-même qui s'est tué. Tu sembles en panique, man. Le mot Dieu là, regardez, vous ne comprenez pas. Je veux savoir, Jésus là, il est Dieu, non? Jésus est le Dieu Tout-Puissant. Quand il est venu, il était sur la croix, non? Il est mort, non? Oui. Qui l'a tué? Oui. C'est lui-même qui s'est tué? Ou bien c'est les gens qui l'ont tué, mais c'est Satan qui l'a tué? Regardez, c'est difficile. Vraiment. Qui l'a tué? Normalement, il savait qui l'a tué. Est-ce que c'est lui-même qui s'est tué? Ou bien c'est les hommes qui l'ont tué? Ou bien c'est Satan qui l'a tué? Merci. Avant qu'il ne vienne là, est-ce que ce n'est pas été prédit par les prophètes? C'est pas ça ma question. C'est pas sa mission. Je n'ai pas dit que c'est pas sa mission. Je demande, est-ce que c'est lui-même qui s'est tué? Ou bien c'est Satan qui l'a tué? C'est lui-même qui a décidé de verser son sang pour nous. C'est lui-même qui s'est tué, mais c'est pas lui-même. C'est le bon Dieu qui veut quoi. Faut répondre. Est-ce que c'est lui-même qui s'est tué? Dieu ne peut pas se tuer. C'est pas possible. Donc il a tué. Ils l'ont pas tué, c'est ce qu'il explique là. Bon, après, je dis, c'est une mission, il est venu accomplir. Tu dis, il s'est tué, il s'est pas tué, c'est les hommes qui l'ont tué, il s'est ressuscité. Et selon l'esprit des Écritures là, c'était écrit que non, la mission là, il va venir accomplir. C'est ce qu'il est venu accomplir. Est-ce que quand il a rendu l'âme là, sur la croix là, en même temps là, il n'y a pas eu écrit ce collègue. Voilà. Quand il après, il ne s'est pas levé. Non, il ne s'est pas levé. Qui l'a levé? On va lire. Acte 5:30. Son micro. Acte 5, verset 30 à 31. Acte des Apôtres, chapitre 5. Pardon? Non, mais en fait, quand tu viens, au fur et à mesure, tu ouvres les brèches là. Non, ça va à toi. Hein? On t'a expliqué. On t'a dit que ça parle pas des musulmans. Donc on t'a déjà expliqué. Puis tu dis que non. Ça parle pas des musulmans. C'est pas écrit. Son micro. D'accord, on va lire. Comme il dit, c'est pas écrit, ça, on va lire. Oui. On va finir de lire acte et puis on revient dans le courant. Hein? On finit de lire acte et puis on revient dans le courant. Acte 5, 30 à 31. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus. Que vous avez tué. En le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance des péchés. Qui a ressuscité Jésus selon Acte 5, 30? Le Dieu de nos pères. Non, laisse-moi répondre. Est-ce qu'il n'a pas entendu? D'abord, même là, il y a une nuance. Selon vous, il y a une nuance entre le Père et le Fils. On n'a pas dit ça. Selon Acte 5, 30, qui a ressuscité Jésus? C'est écrit selon la lettre des Écritures que c'est Dieu qui a ressuscité Jésus. Donc, est-ce que c'est faux? Mais. Il y a la lettre et puis il y a l'esprit. Hein, dans, la lettre et l'esprit qui est écrit, est-ce que c'est faux? La lettre est écrite. Mais c'est faux? C'est pas juste faux, mais ça s'explique maintenant. Non, je veux dire, oui. dans la Bible, c'est Dieu qui a ressuscité Jésus. Dans la Bible, oui. Selon la lettre, oui. Selon la lettre. Maintenant, selon toi, qui l'a ressuscité? Le Christ là. Le Christ là, c'était Dieu lui-même. Ça, selon toi, non? Philippiens 2, 7. Et 1 Corinthiens 11, 3 dit quoi? Dieu est le chef du Christ.
toi, tu n'as pas dit Christ est Dieu. Mais en toi, en toi, en ton esprit et ton corps là, qui a été avant qui? Mais Dieu n'a pas de corps. Je viens. Oui. Pourquoi? Parce qu'on a été à sa ressemblance et à son image. On ressemble à Dieu. C'est écrit dans Genèse. Je vais savoir si on ressemble à Dieu. Mais on ressemble, on a son image. Tout ce qu'on a là, Dieu a. C'est clair. Oui. Tu sens où ma mère? Oui. Christ est fait homme. Non. Attends. Ça a changé. Tu dis Dieu s'est fait homme. En même temps, vous dites que Dieu s'est fait homme là, c'est scandaleux en fait. C'est donc, on va vous ramener à votre propre phrase et à votre propre intellect pour que vous compreniez. Pour que tu puisses comprendre. Je veux savoir, est-ce qu'un homme va aux toilettes? Si. Donc Dieu est venu sous forme humaine. Est-ce qu'il est une fois allé aux toilettes? Mais on dit semblable aux hommes. On est d'accord. C'est semblable comme tout ce qu'il a fait. Donc Dieu est parti aux toilettes. Pourquoi il peut aller aux toilettes? Il est semblable aux hommes. Donc c'est qu'il doit faire là. C'est ce qu'il regarde sur la terre physiquement. On dit semblable, vous ne comprenez pas français. On dit semblable. Voilà, on ne comprend pas français. Non. Dieu est parti aux toilettes. Par lui, comme un seul homme est semblable aux hommes. Donc il est parti. C'est normal que ce qu'il doit faire là. Il doit faire aussi. Donc il est parti aux toilettes. Vous égarez, vous les musulmans. Tu ne sais pas ça. Non, non, non. Donc Dieu va aux toilettes. Est-ce que Satan est allé aux toilettes? Si c'est possible, mais il se marie. Oui. Dans sa mission là, c'est un bon Dieu. C'est un bon Dieu. C'est pas ça. Faut lui marquer le Seigneur. Dieu se marie. Maintenant, qui célèbre son mariage là? Selon sa mission. Qui célèbre son mariage? Qui? Si Dieu se marie, qui célèbre son mariage? Et nous, on a quitté au mariage aujourd'hui là-bas. Voilà. Voilà. Vous avez quitté au mariage. Vous avez entendu parler de l'enlèvement? Je viens. On a quitté au mariage. C'est un imam qui a célébré le mariage. Maintenant, mariage de Dieu là. Je veux savoir qui a célébré et qui nous avait invité là. Si l'église est invité selon sa mission, c'est français. Maintenant, moi, il y a Dieu le débat. On a une dernière question. Oui, on va te donner une dernière question pour avancer. Luc 2, 21, 8 jours après sa naissance, Jésus-Christ a été circoncis. C'est clair, oui. Mais ce n'est pas Dieu qui a été circoncis, soyons sérieux. C'est Jésus dans son corps physique. Voilà, c'est Jésus, ce n'est pas Dieu qui a été circoncis. Comme si vous. Non, tu ne prends pas exprès. Les musulmans vont accouler là. Non, tant que tu me plains trop, voilà. Il est trop courageux. Attends, donc quand j'ai dit que c'est Dieu qui a été circoncis. Tu vas scandaliser, ici tu seras scandalisé. Maintenant, on va expliquer. Dernière question dans le Coran, parce qu'on doit passer un message tout à l'heure. Alors, je vais commencer au verset 65. On va commencer à comprendre. Il y a combien de questions? On a encore des questions? Quels sont ceux qui veulent poser des questions? Trois personnes. Il reste trois personnes pour terminer. Dans le public, il y a des gens venus. Ok. Venez poser la question. Celui qui veut se convertir aussi, qui vienne. Qui veut poser des questions? Viens. Si tu veux te convertir aussi, tu viens. Les questionnaires, venez. Je vais poser des questions, venez. Mettez-vous là. Voilà, et puis on va vous parler, et puis on va terminer rapidement. Voici le contexte, parce que Sourate 19, 65. Allons-y. 19, 65. Uh-huh. Il est le Seigneur des cieux et de la terre. Vas-y. Et tout ce qui est en eux. Il est le... Allons-y. Adore-le donc, mm-hmm. Et sois constant dans son adoration. Uh-huh. Lui connais-tu un homonyme? Je pose la question. Est-ce qu'on connaît un homonyme? Lui connais-tu un homonyme? Est-ce que Dieu a un homonyme? Toi, tu dis là, une forme humaine. Continue. Et l'homme dit. Voilà que le contexte commence. Allez, dit. Et l'homme dit. Et l'homme dit. Et l'homme dit. Une fois mort. Une fois mort. Ne sortira-t-on vivant? Et Dieu dit, il y a des gens qui se disent qu'une fois mort, eux ne seront pas ressuscités vivants. C'est-à-dire, ils ne croient pas au jour de la résurrection. Alors que dans les 6 milliers de fois. Je pense que le frère, est-ce qu'il ne va. Voilà, je ne sais pas. Il va aller rapidement, il va t'expliquer. Prends notre terrain, il ne faut pas okay. Polémiquer encore. Il y a 4 personnes derrière toi. Donc, dans les 6 milliers de fois, le musulman est amené à croire. Voilà, éteins ton micro, voilà. Le musulman est amené à croire à la résurrection. Donc, il ne s'agit pas du musulman. Continue. L'homme ne se rappelle-t-il pas qu'avant cela, c'est nous qui l'avons créé, alors qu'il n'était rien? Dieu est en train de rappeler que c'est lui. L'homme qui se dit ça n'a pas le droit de le dire parce que lui, Dieu l'a créé alors que lui n'était rien. Donc il a la capacité de le faire mourir et de le faire ressusciter par la suite. Allons-y. Par ton Seigneur. Maintenant, Dieu maintenant fait un décret. Il dit par ton Seigneur. Assurément. Assurément. Nous les rassemblerons. Nous les rassemblerons. Et les diables. C'est-à-dire quoi? Pourquoi Dieu dit nous les rassemblerons? Parce qu'il a cru qu'il n'allait pas être rassemblé, il n'allait pas être ressuscité pour venir comparaître devant le jugement de Dieu. Dieu dit nous les rassemblerons, eux et les diables. C'est-à-dire le diable qui l'inspire. À avoir ces gens de penser qu'il s'il meurt, il ne sera pas résisté. Lui et le diable qui l'inspire, là, seront tous rassemblés. Allons-y. Pour
nous les placerons autour de l'enfer. Ces gens, on va les placer autour de l'enfer. Agenouillés. Agenouillés. Ensuite, nous arracherons de chaque groupe ceux d'entre eux qui étaient les plus obstinés contre le tout miséricordieux. En plus, nous allons arracher ceux d'entre eux de chaque groupe, ceux-là même qui étaient les plus obstinés contre le tout miséricordieux. Ceux-là même qui, par exemple, ceux qui disent abat l'islam, abat les musulmans, les chrétiens peuvent boire et puis ils vont au paradis. Là. Tout cela, c'est les plus obstinés contre le tout miséricordieux. Dieu dit il va les trier comme ça. Parce que dans chaque groupe, il y a les plus obstinés et puis il y a les, ceux qui sont là par ignorance. Allons-y. 70. Allons-y. Pour nous sommes les meilleurs à savoir. Allez, dites puis c'est nous qui sommes les meilleurs à savoir. À savoir ceux qui méritent le plus d'y être brûlés. Nous sommes les meilleurs à savoir ceux qui méritent, ceux parmi qui. Les diables et ceux qui ont eu l'inspiration, de, ou même ceux qui ont eu l'idée de penser que s'ils meurent, ils ne seront pas ressuscités. Eux, nous sommes les mieux placés de savoir quels sont ceux dont, qui, seront les, qui méritent d'être brûlés. Allons-y. 71. Il n'y a personne parmi vous. C'est-à-dire, il n'y a personne parmi vous. Vous pouvez passer en enfer, mais pas sans être brûlés. Parce qu'il dit, ceux qui méritent d'y être brûlés, là, c'est eux. Continue. Il n'y a personne parmi vous. Il n'y a personne parmi vous. Vous qui avez pensé que si vous mourrez, vous ne serez pas ressuscités. Est-ce que si vous ne croyez pas au jour du jugement dernier, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Il ne passera pas par l'enfer. Car il s'agit là pour ton Seigneur. Car il s'agit là maintenant pour ton Seigneur. D'une sentence irrévocable. C'est une sentence irrévocable. Allons-y, tu vois, non? 72. Allons-y. Ensuite, nous délivrerons. Là, c'est un autre contexte, hein? C'est une autre phrase. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux. Et nous y laisserons. Les injustes là, agenouillés. Voilà le contexte. Ça ne parle pas des musulmans. Il n'y a pas de musulmans qui va aller en enfer. Ça n'existe pas. Donc voilà l'explication un peu claire. Comme on est pris par le temps, on va prendre d'autres questions. Si elle est faite. 20 minutes avec toi, Sylvain. Il y a beaucoup de problèmes. Voilà. Non, jeudi, bon, jeudi prochain, on ne sera pas là. Voilà. On rappelle que jeudi prochain, par la grâce d'Allah, nous ne serons pas là. On sera en tournée à Mbeyadji, Soubré, Yabayo. Et jeudi su prochain, Inch'Allah, on se retrouve là. Et comme vous le savez, chaque mois, on a l'habitude de faire comme ça la quête ordinaire. C'est pour la construction de notre complexe islamique chargé de convertir. On ne peut pas venir tous les jours, une fois par mois. On a des frères qui passent près de vous, Fissabilillah, celui qui veut participer à la construction du complexe islamique chargé de convertir et de la formation de la jeunesse dans le domaine de l'interreligieux, également de l'islam. Donc voici le frère qui passe près de vous, Fissabilillah, pour tout ce que vous voulez, Inch'Allah. Question, mon frère. Bonsoir. Moi, je suis le frère Armand. Enchanté. Je viens du collège des bases. D'accord. Et c'est mon frère qui n'y a plus. Okay. D'accord. Je suis là pour savoir une chose. La chose, ils ont dit à Exode, le chapitre 20, ils scrupulent que quoi? Ils ont dit là-bas que le dimanche, vous devez vous y rendre dans le temple de Dieu afin de l'adorer lui seul et personne. Donc, il y a quelque chose que moi je ne comprends pas dans ça. Pourquoi les musulmans vont le vendredi et les chrétiens ils vont le dimanche? Tu as vu ça dans quel livre? Exode. Exode chapitre 20. Verset combien? 1. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Mon frère, vraiment merci. C'est le jour où Dieu s'est reposé. Je te comprends. Dieu, chapitre 20, oui. Mais il faut comprendre que. Non, c'est pas la seule question que je suis. Oui, mais on va répondre à la première d'abord. Tu dis dans la Bible, c'est écrit que le dimanche, Dieu s'est reposé. Et puis, il a dit aux chrétiens d'aller à l'église dimanche, c'est ça, non? C'est pas ce que j'ai dit. Hein. C'est dimanche que Dieu s'est reposé, quoi? C'est pas ce que j'ai dit. Pardon, répète la petite partie là. Qu'est-ce qui s'est passé le dimanche? Je sais que quoi? Moi, personnellement, je suis chrétien. Oui. Je ne suis pas venu faire un débat. Yes, c'est. Allons à l'essentiel. Tu as dit quelque chose qui m'intéresse. Allons-y. Voilà. Ce que je ne comprends pas, c'est que pourquoi les chrétiens, ils vont à l'église le dimanche et pourquoi les musulmans, ils vont le vendredi? Très bien. Merci. C'est une très belle question. Moi, en tant que musulman, je vais te répondre simplement. Pour nous, les musulmans, nous allons les vendredis à la mosquée parce que c'est Dieu qui nous l'a révélé. C'est Dieu qui nous l'a ordonné plutôt. C'est Dieu qui nous a ordonné et nous l'a recommandé d'aller à la mosquée les vendredis pour faire quoi? Pour le célébrer, pour célébrer ses louanges. Les preuves sont dans le Coran. Allons-y.
Surah 62, verset 9. Oui, vous qui avez cru. Attention, Dieu parle de ceux qui ont cru, pas de n'importe qui. Nous les musulmans, ceux qui ont cru. Oh, vous qui avez cru. Il précise. Allons-y. Quand on appelle à la salade du jour du vendredi. Non, faut comprendre l'essentiel. Faut pas rentrer dans les détails. Je ne crois pas t'en sortir. Allons-y. Quand on appelle à la salade du jour du vendredi. Allez, dit quand on appelle à la salade du jour du vendredi. T'as entendu, non? Du jour de quand? Vendredi. Nous tous en attendu. Continue. Accourez à l'invocation d'Allah. Accourez à l'invocation d'Allah et laissez tout négoce, tout ce que vous avez, tout ce que vous avez fait. Tout, en tout cas, faut tout laisser. Si tu es en train de faire quelque chose, il n'y a pas quelque chose qui soit plus important que ce jour-là, ce moment-là. Donc on laisse tout et on va à l'invocation d'Allah. Tu vois, c'est lui-même qui nous l'a prescrit. Dans le Coran. Sauf que dans la Bible, nous on ne sait pas pourquoi c'est dimanche et ils vont à l'église. C'est la partie là que moi j'ai été donnée pour que tu ailles demander à ton pasteur. Il faut attraper ses vols. Il faut dire, pasteur, c'est où c'est écrit que dimanche on doit partir à l'église? Est-ce que tu as compris même? Parce que de la Genèse à l'Apocalypse, il n'y a aucun verset qui dit que dimanche il faut aller à l'église. Comme ils ont lu dans le verset de la Bible que Dieu a travaillé le sixième jour et le septième jour il s'est reposé, vraiment, c'était fatigant. Donc eux, quand ils comptent les jours, le jour où Dieu s'est reposé là, c'est là, et même ils seraient fatigués. Non, c'est pas comme ça. Attends, je suis un chrétien. Allons-y. Je suis venu savoir quelque chose que je ne comprenais pas avant. Oui, c'est ça, on t'explique là. Je suis là. C'est vrai. Sinon, c'est pas pour venir faire un débat que je suis là. On n'est pas en débat, on t'explique. Voilà. On t'explique. Donc, comment je vais à l'église? On ne me dit pas que c'est le dimanche. C'est pas écrit dans la Bible que c'est dimanche, non? Voilà. Mais pourquoi ils vont dimanche? Non. Pourquoi vous allez dimanche? Si je dois répondre comme ça, on va s'il vous plaît. Allons-y, frère. Donc, je suis venu poser une question. Et cette question a suscité une autre question. Non, ça n'a pas suscité de question. Je t'ai expliqué, je t'ai dit dans le courant. J'ai compris. Voilà, j'ai dit dans le... Attends, il faut écouter. J'ai dit dans le Coran, c'est Dieu qui nous l'a commandé. Je t'ai montré le verset. Maintenant, dans la Bible, puisque tu as posé la question sur la Bible et le Coran, tu as dit que tu es chrétien, nous les musulmans, pourquoi les chrétiens vont dimanche, nous on va vendredi? Tu as pris Exode 20, doucement, tu as pris Exode 20. N'est-ce pas? Est-ce que moi pris Exode 20? C'est toi qui as pris Exode 20. Donc, moi je t'ai montré dans le Coran, pourquoi nous on va vendredi? Maintenant, quand on va dans la Bible, on veut savoir maintenant pourquoi vous allez dimanche. Pour nous, là, c'est Dieu qui a dit, allez-y vendredi. Pour vous, là, c'est qui a dit d'aller dimanche? Personne. Lui, dit, il ne sait pas. Il ne sait pas, non. Donc, vous savez, vous l'avez. Voilà, donc c'est ce qu'il vient de dire. Pour dire que même le pèlerinage que les musulmans font, c'est Dieu qui nous l'a recommandé. Le jeûne du Ramadan que nous faisons, c'est Allah qui nous l'a recommandé dans le Coran. La manière de prier du Coran, c'est Allah qui nous l'a recommandé. Le jour du vendredi, c'est pareil. Le nom du Coran lui-même est dans le Coran. Alors que le nom de la Bible n'est même pas dans la Bible. Comme Aziz l'a dit, quand Dieu a envoyé un prophète, il cite son nom, c'est-à-dire il lui donne le livre. Et le livre doit porter son nom. Allah a donné l'évangile à Jésus, Torah à Moïse, Soma à David, le Coran à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc voici un peu les questions qu'on pouvait répondre. Donc dimanche là, t'entends? Et frère, dimanche là. Nous, on ne sait pas pourquoi ils vont à l'église. On ne sait pas. C'est bon? Parce que ce n'est pas Dieu qui a dit. Ce n'est pas Jésus qui a dit. Ce ne sont pas les anges qui ont dit. Bon, on sait qu'après eux, là, lui qui vient, c'est Satan. Donc, on se pose la question. D'accord. Comment je suis venu là? Je n'ai condamné personne. Non, je pense qu'on a répondu à la question. On a répondu à la question. Si tu as une autre question, tu la poses. Parce qu'il y a quelqu'un qui t'attend. Avant rapidement. Il a été dit dans la Bible aussi. Que lui ne vient au Père si ce n'est que par Jésus. Donc, c'est cette petite nuance-là que j'aimerais comprendre encore. Nul ne vient au Père si ce n'est que par Jésus. Tu veux comprendre quoi dedans? On dit lui ne vient au Père si ce n'est que par Jésus. Donc, il n'y a pas autre passage ailleurs. Si ce n'est pas Jésus. Voilà. Donc, très c'est bien. Ça que je veux savoir. Très bien, il n'y a pas de souci. Voilà. Dans la Bible, c'est clair. Jésus a dit pourquoi. Pourquoi nul ne vient au Père que par lui? Et qui ne va pas venir au Père que par lui? Il a dit. Matthieu 15, 24, il dit Dieu m'a envoyé seulement pour les enfants d'Israël. Donc vous les enfants d'Israël là, nul ne vient au Père que par moi.
Mais comme toi, tu n'es pas enfant d'Israël, tu dois venir par Mohamed Walou Baladi. Pas forcément. Je peux te montrer ça dans le Coran. Je sais, mais pas forcément. Ah bon, d'accord, c'est simple. Hein. C'est comme quand tu dis pas forcément, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire, le président aujourd'hui, là, couvre ses 20 heures. Tu dis non, pas forcément. Au sorti. Si le président dit aujourd'hui, là, couvre ses 20 heures, toi, tu vas rester à 20 heures à la maison, mais tu dis pas forcément. Je suis venu ici, là, c'est pas. C'est un exemple. Non, c'est ça, mais c'est sujet de moquerie. C'est pas un sujet de moquerie, c'est un sujet d'interpellation. Non, c'est pas une interpellation. Ça va jusqu'à ce moment. Frère, non, fais écouter. On va aller rapidement. Gars, s'il vous plaît. Le problème, c'est quoi? C'est ta réaction qui amène leur réaction. C'est vrai que c'est pas bon de rire. Mais souvent, ils ne peuvent pas s'empêcher aussi. C'est pas de leur faute. Par exemple, toi, tu dis, moi, il te dit que le dernier prophète qui a été envoyé, en qui tu peux être sauvé, lui, au moins, qui te donne l'opportunité de voir et de sentir l'odeur du paradis, c'est le prophète Mohamed. Tu dis, non, toi, tu ne veux pas. Seulement, je te donne maintenant, tu dis pas forcément. Donc, je te donne maintenant un exemple. C'est comme si, actuellement, le président te dit, faut rester à 20 heures à la maison. Il y a où vous faites. Toi, tu dis pas forcément. Qu'est-ce qui va t'arriver? Mais le président dit Dieu, là, c'est pas même chose. C'est un exemple que j'ai pris. Mais il ne faut pas l'exemple. Vous avez dit que quoi? On ne peut pas comparer. Tout le monde va comprendre. Qu'est-ce que je vais te dire? Je vais te dire qu'actuellement ton seul salut, ta seule manière pour que tu sois sauvé, parce que je dis, nul ne vient au Père que par moi. C'est vrai, mais ça concerne les enfants d'Israël. Mais comme il y a beaucoup de places, parce que je dis, je vais vous réserver une place auprès de mon Père. Oh, il y a beaucoup de places. Maintenant, la dernière des places qui a été réservée à l'humanité, là, c'est celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je viens, je t'explique, mon frère. Tu dis, c'est pas un débat, non, je t'explique. Donc moi, je te dis, ta dernière issue, toi en tant qu'être humain vivant dans ce siècle-là, il ne faut pas mourir sans avoir cru en Allah et accepter le prophète Mohammed comme ton message. C'est un message que je te transmets, écoute. Tu dis que ce n'est pas un débat. Donc écoute seulement, j'ai fini de répondre, on prend quelqu'un d'autre. Mais ce n'est pas un débat. Donc je dis, la seule issue, c'est un message que je te transmets. La seule issue pour toi, en tant qu'individu vivant dans ce siècle-là, c'est de ne pas mourir sans avoir cru au prophète Mohammed. Sinon, si tu meurs, sans avoir cru le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, c'est l'enfer à acclamation. C'est qu'ils vont t'acclamer pour dire bonne arrivée en enfer. C'est qu'ils refusent de quoi? C'est comme s'ils t'ont refusé que le couvre-feu soit à 20h, tu seras maté. C'est comme ça. Donc si tu veux, tu acceptes. Si tu veux, tu refuses. Donc si tu as une troisième question, on va prendre les pieds, on va prendre les autres. Parce qu'ils sont trop durs. C'est dans une question qu'est née une autre question. Comme il est nuit, il fait nuit déjà. Je sais ça. Vous êtes là, c'est pour gagner des âmes. On est là depuis 16h. Normalement, ça dure depuis on arrête dans 8 minutes. Alors, il y a 3 questions derrière toi. Tu vas venir prochainement. On va prendre le frère qui est derrière toi, Inch'Allah. Pas de soucis. Merci beaucoup. Jeudi prochain, on ne sera pas là. Hein. On vous rappelle, voilà, on sera en tournée, Inch'Allah. Allons-y, mon frère, bonne arrivée. Merci. Question. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bon. Moi, je suis venu pour m'éclaircir sur certains faits. Lesquels? Voilà. Je suis souvent votre vidéo. Vous dites comme ça que Jésus n'est pas Dieu. Faut parler un peu fort. Parler un peu fort. Vous dites comme ça que Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Donc, moi, je suis venu aujourd'hui pour que vous-même, devant vous, vous m'éclaircissez si Jésus est qui réellement dans la Bible et s'il est qui réellement dans ce monde. D'accord. Jean 20, 17, rapidement. On va lire un verset de la Bible qui va nous situer rapidement et puis vous allez passer à votre deuxième question. Allons-y. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon père. Mais va trouver mon frère et dis-leur, je monte vers mon père et votre père, vers mon Dieu et votre Dieu. Jésus dit, je monte vers mon père qui est votre père. Vers mon Dieu qui est votre Dieu. Est-ce que Jésus peut être Dieu alors qu'il a un Dieu? C'est impossible. On est d'accord, non? Allons-y. Non, je réponds. Est-ce que Jésus, bon, je vous pose une question. Est-ce que Jésus peut être Dieu et avoir un autre Dieu vers qui il va? Jésus peut être Dieu et avoir un autre Dieu. Ça fait combien de Dieu? Non, ça fait un Dieu. Mais seulement que Jésus lui-même, c'est la chair. Et lorsqu'on dit Jésus-Christ, on parle de l'Esprit Saint qui est en lui. Mais là n'est pas le débat. Maintenant, si vous dites que Jésus n'est pas Dieu, maintenant, moi, je vous pose la question, selon vous, Jésus est qui?
D'accord. On va demander à Jésus lui-même. Lui va répondre. Jean chapitre 8, verset 40. Il va lire. Ce sont les propos de Jésus lui-même. Après avoir lu ça, si tu ajoutes quelque chose, c'est que tu ne l'aimes pas. Ce sont les propos de Jésus et c'est la Bible. Jean chapitre 8, verset 40. Il leur répondit. Jésus-Christ leur répondit. Notre père Abraham. 40 directement. Jean 8, verset 40. Mais en réalité, vous cherchez à me faire mourir. Vous cherchez à me faire mourir, moi Jésus. Moi. En tant qu'un être humain qui vous a dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. En tant qu'un être humain. Est-ce que Dieu peut être un être humain ou bien Dieu est un être humain? Je ne sais pas que Dieu est un être humain ou bien il peut être un être humain. Ma question, Jésus est qui? Il est un être humain. Son rôle sur terre, c'était quoi? Il est venu sauver seulement les enfants d'Israël. Matthieu 15, 24. Il est venu sauver les enfants d'Israël. Éduquement. Excusez-moi d'abord, moi je ne maîtrise pas trop la Bible. Non, maîtrise, c'est pourquoi on dit qu'il est venu sauver seulement. Je ne maîtrise pas trop la Bible. Mais je vais au moins dire le début du verset. Allons-y. Vous-même, vous allez prendre ce verset-là pour lire. D'accord. Lorsque Paul demandait à Jésus, bon. Tiens! Non, il dit qu'il ne connaît pas la Bible. Non, il ne faut plus dire Paul demandait à Jésus. Paul, Paul n'a pas vu Jésus. Il faut changer. Lorsque un apôtre ou un serviteur de Dieu demandait à Jésus, montre-nous le Père, cela nous suffira. Voilà, montre-nous le Père, cela nous suffira. Jean 14, 6, 7, 9. Non, il dit qu'on n'est pas. Allons-y, vas-y, frère. Mets-toi à l'aise, hein, allons-y. Oui, allons-y, vous avez compris le contexte, explique en même temps. Voilà, montre-nous le Père et cela nous suffira. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, tu ne m'as pas connu. Allons-y. Voilà, si on peut monter un peu avant que la question soit posée. Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. C'est là Philippe va lui demander même. Jésus, il y a si longtemps que nous sommes avec toi. Jésus va dire, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père est en moi? Voilà ce qu'il a dit dans le contexte. Mais le verset premier, Jésus-Christ dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Non, on n'est pas dans le verset 1. C'est pas une histoire de Samarie. Il a dit celui qui m'a vu a vu le Père. Donc qu'est-ce que tu veux? Bon, lorsqu'il dit celui qui m'a vu a vu le Père, il essaie de nous dire quoi par là. Non, explique-nous, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Puisque moi je dis que Jésus est Dieu. Hein? Voilà, Jésus-Christ est Dieu, mais Jésus c'est la chair. Et toi tu me dis que Jésus n'est pas Dieu. Mais lorsque ce Jésus-là dit, si tu m'as vu, c'est que tu as vu le Père. Le Père vit en moi et le Fils vit en moi. Mais machin, pardon. Tout ça. Je veux savoir, pour toi, celui qui a vu Jésus a vu le Père. Oui, oui. C'est ça. Oui, oui. Donc celui qui a attrapé Jésus a attrapé le Père. Quand ils sont allés attraper, Jésus c'est la chair. Non, si on a attrapé la chair, on a attrapé qui? On a attrapé Jésus. On n'a pas attrapé le Père. Non. Donc le Père est différent de la chair. Le Père, c'est l'esprit. Donc le Père. Est-ce que vous avez déjà vu Dieu? Je veux savoir, est-ce que le Père est différent de la chair? Le Père est différent de la chair. Est-ce que c'est le Père qui a créé la chair? C'est le Père qui a créé la chair. Sans le Père, la chair n'allait pas exister. Jamais. Comment est-ce que la chair peut être Dieu alors? C'est pas que la chair est Dieu. Donc, mais la chair est la maison de Dieu. Jésus est une maison où Dieu a habité. Jésus est une maison où Dieu a habité dedans. Voilà. Donc Jésus est une marionnette qui est guidée par le Saint-Esprit. Jésus a dit. C'est une marionnette. Écoutez bien, le Jésus de la Bible. C'est une marionnette. Non, tout ça ici, les gens vont entendre. Même si c'est une marionnette, non, c'est pas une marionnette. Tout ça ici, les gens vont entendre ce que je viens de dire. Le Jésus de la Bible n'est pas le Issa du Coran. Retenez ça bien. Oui. Jésus de la Bible, c'est pas le Issa du Coran. Il y a la différence. Parce que Jésus de la Bible dit c'est une marionnette. Nous, notre Issa, il n'est pas marionnette. C'est ça le problème. Tu dis, non, je viens, frère, laisse, on va finir, on va prendre quelqu'un d'autre. Toi, tu traites Jésus de marionnette. Sincèrement, dis, hein, on peut prendre quelqu'un d'autre même. C'est mieux. On va donner le micro à quelqu'un d'autre. Parce que, s'il vous plaît, excusez-nous, hein, mais on va donner le micro à quelqu'un d'autre. On ne va pas permettre que vous traitez un prophète de marionnette dans notre forum. On va prendre quelqu'un d'autre. Voilà. Vous êtes la dernière personne. Ok. Allons-y rapidement, mon frère, allons-y. Allumez son micro, bonsoir.
On ne peut pas permettre que quelqu'un traite Jésus de marionnette, même si on n'est pas d'accord avec la personne. On ne va pas accepter ça. Allons-y. D'accord. Moi, je soutiens le fait que... Micro. Allons-y. Parlez dans le micro. Oui, oui, je parle dans le micro. Je dis, moi, je soutiens le fait que Jésus est Dieu. Pourquoi? Donc, parce que lui-même, il regarde. Allons-y, allons-y. Donc, je vais prendre... Un verset, ok. Non, pas un verset. Les versets. Oui, les versets qui détaillent. Vous pouvez me poser la question. Non, 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 allons-y, allez-y, allez-y. Ouais. Donnez vos preuves, mais rapidement, quoi. Comment on est... Donnez vos preuves rapidement. Donnez-moi, citez-nous, on va vous aider ici, comme on a beaucoup de trucs. D'accord. Prenez Jean 14, 6 à 9. C'est ça, on vient de lire là. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Oui, oui, je vais. Nous ne devions faire que par moi. Oui, oui, nous ne devions faire que par moi. Maintenant, après cela, il y a Jean 8, le verset 24 à 25. Jean 8, 24 à 25. Jean 8, verset 24 à 25. Oui. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Prenez Jean 8, le 58. Verset... Non, Jean 8, le verset 48, 49. C'est Jean 8, 48. Okay, les Juifs lui disent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un samaritain, car tu as un démon. C'est ça? En fait, je vais expliquer un peu allons-y, ma voilà. Compréhension voilà. De ces versets. Allons-y. En fait, les gens se demandaient ce que nous demandons aujourd'hui. Oui, oui. Qui es-tu véritablement? Mm-hmm. Mais moi, ce que je comprends de ces versets après l'étude que j'ai faite, c'est que Jésus était venu en mission, c'est-à-dire c'est Dieu qui est venu en mission sur terre. Selon ce que il a dit compris, selon ce qu'il comprend et c'est honnête de voilà. Ta part. Allons-y. Dieu est venu en mission parce que Jésus dit, il est le chemin, la vie et la vérité. Nous ne pouvons faire que par lui. Mais le Père, nous ne pouvons pas le Père. Dans l'Ancien Testament, quand le Père œuvrait avec les prophètes, personne ne pouvait s'approcher du Père. Personne ne pouvait connaître le Père. Parce que quand il parlait, c'est les connaître qui comptaient. Donc, personne ne pouvait, sauf Moïse, qui est allé un peu voilà, vers le Père. Parce que tout le monde avait peur. Exact. Donc, pour que moi, pour, je dis bien pour moi, pour que Dieu puisse se faire entendre, se faire comprendre, il doit prendre une chair. Une chair dans laquelle Dieu vient sur terre. Pas œuvrer. Donc quand vous dites si on tue Jésus, ils ont tué Dieu. On ne peut pas tuer Dieu. C'est comme vous et moi. Moi je suis esprit. Je suis être humain, mais je suis esprit. On peut me tuer, mais on ne peut pas tuer l'esprit qui est à moi. C'est clair. Toi, l'esprit qui est à moi, il a les mêmes parce que l'esprit ne peut pas le tuer. D'accord. Voilà. Mais j'ai une question. J'ai une question. Oui, oui. Jésus, pardon, Dieu plutôt, oui. Dans le souci de vouloir aider les êtres humains et de. Et il est venu sur la terre là. Oui, oui. Je veux savoir. En venant sur la terre là, il a passé où? En venant sur la terre, voilà. En venant sur la terre, il est passé par un homme. Par une femme. Par une femme. Oui, oui. La femme qui a accouché de Dieu, elle s'appelle comment? Elle s'appelle Marie. Donc Marie, elle est la mère de qui? Elle est la mère de la chair, c'est comme ton avis. Le chef qui s'est mort, merci. Attendez, s'il vous plaît. Allons-y. Voilà. Non, ce qu'on va faire, tu n'auras pas assez de temps pour développer. Voilà. Moi, je souhaite que tu viennes un peu vite. Le jeudi sur prochain. Parce que j'ai dit prochain ne serait pas là, parce que je sens que tu es quelqu'un qui veut comprendre et ça nous intéresse. Mais quand toi tu vas laisser le micro, nous allons donner la parole. Voilà, vous pouvez donner le micro. On va donner la parole à notre parrain qui est là, Imam Berthe, que tout le monde connaît. Voilà, sachez que c'est notre parrain, mais il ne nous fait pas cadeau. Hein. Quand c'est gâté là, il chie pour nous. Donc on va l'appeler, Imam Berthe va venir s'adresser à vous. Et on souhaite parce qu'il y a beaucoup de questions. Non, il va venir ici, c'est mieux quand même. Ah, okay. C'est le plus grand des. Voilà. On souhaite inviter l'imam ici un jeudi. Les questions sur l'islam, les questions dont nous n'avons pas la réponse, on vous oriente. Vous aurez l'occasion de poser toutes ces questions-là sur l'islam, sur la jurisprudence. Si vous rentrez dans la Bible aussi, là, il va vous attendre là-bas. Hein. Donc, il n'y a pas de hasard dans la vie. Oh, merci beaucoup, l'imam, de pouvoir visiter, Inch'Allah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh pour les uns et bonsoir pour les autres. Je suis d'autant plus heureux que j'ai surpris mes filleuls ici. Et comme ils l'ont dit, la religion c'est la sincérité. J'ai été très ému d'entendre les uns et les autres d'intervenir. Mais il y a deux types d'intervenants. Il y a les chercheurs de vérité
et puis il y a les amuseurs de la galerie. Quelle complication. Quand on veut écouter la parole divine, pour avoir la guidance, il est toujours bon d'écouter avec la raison et non la passion. Quand on est animé de passion, on a des idées préconçues, des idées arrêtées. On est connu comme un téléphone venu de l'Europe. Et là, on sera toujours hostile à la vérité, quand bien même elle doit nous affranchir. Or, quand on écoute avec la raison, on est prêt à abandonner ce qui n'est pas et à adopter ce qui est. Et le Coran nous le dit au chapitre 79, sourate An-Nazi'at, les anges courant coureurs. Au verset 37, Allah dit Fa'amma man tagha, mais quiconque transgresse, wa asar al hayat ad-dunya, verset 38, et qui aura préféré la vie d'ici-bas, fa'inna al-jahima hiya al-ma'wa, verset 39, l'enfer sera son refuge. Mais quiconque craindra sa comparution devant son Seigneur le jour de la résurrection, et qui aura repoussé son âme de ses passions, le paradis sera son refuge. Cela dit, j'ai vu que ce phénomène qui n'est pas le phénomène de Kolia, mais qui est le phénomène de Jésus, paraît être une énigme pour les chrétiens. Alors que pour nous, c'est un non-événement, puisqu'il n'est qu'un simple prophète et messager. Il n'est pas une énigme pour les musulmans. Et les jeunes gens ont montré beaucoup de versets bibliques. Et le verset biblique qui est devenu comme du chewing-gum dans la bouche de tout le monde, qu'on, souvent même on a honte de relever, Jean 17, 3. Quand tu élèves ça même, les gens même rient de toi. Et pourtant, aussi banal que ce verset pourrait paraître, il dit tout de Jésus en même temps. Parce qu'il a dit à Jean 17, verset 3, « Or la vie éternelle est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. » Et puis maintenant, parlant de lui et celui que tu as envoyé. Et puis précise, Jésus-Christ. Point final. Je pense que si on ne suit pas sa passion, on suit sa raison, on fait appel à sa faculté de discernement, ne nous laissons pas berner, parce qu'il n'y a pas deux vies. Après cette vie-là, il n'y a pas deux morts. Mais après la vie, c'est la mort. Après la mort, pardon, c'est la vie. Donc je ne vais pas spéculer sur ce qui a déjà été dit, mais pour vous dire un petit coucou ce soir, parce qu'ils aiment me surprendre, donc moi aussi j'ai voulu les surprendre. Un proverbe. Mais qui vous a dit que moi je donne les proverbes? Je lui ai dit, quand tu frappes le serpent, tu n'as pas épargné le sol. N'est-ce pas? Le soleil ne refuse pas de se lever sur une cité parce qu'elle est petite. Exactement, et le canari aussi. Tu vois, non? Quand le canari est cassé sur ta tête, tu te laves avec son eau en même temps. Pour ne pas perdre le canari et l'eau. Donc, du coup, voilà, bon, on réserve le reste pour une autre fois, Inch'Allah. C'était un bonsoir. Mais en même temps, je voudrais dire quelque chose pour terminer. Le verset 32. Chapitre 10 du Coran, chapitre Jonas. Pour accompagner mon jeune frère Diani, pour l'accompagner, j'ai l'impression que par moment, il est, c'est-à-dire au-delà de la courtoisie, il veut être généreux. En matière de religion, il n'y a pas de sentiment. Il n'y a pas de complaisance. Il n'y a pas d'amusement, il n'y a pas d'état d'âme, il n'y a pas de gestion des émotions. Et donc, il a dit quelque chose, pas pour le contredire, mais pour lui dire de rectifier, de redresser. Il dit aux autres,
Vous n'êtes pas dans le mensonge, mais c'est nous, on est dans la vérité, ils sont dans le fond. Car, je dis plus encore, à partir de le dire, c'est pareil, c'est fini. Ils sont dans le fond. F-A-U-X. Ceux qui ont dit T, on attend faux. Quand on dit faux, là, on va pas T, là, donc c'est bon. Maintenant, le verset 32, chapitre 10 du Coran, Allah dit, La alikumullah, tel est votre Dieu. Tel est Allah, tel est Dieu. Rabbukumul haq, votre véritable Seigneur. Famada ba'd al haq illa dolar. Qui a-t-il donc après la vérité que l'égarement? Fa anna tusrafun, pourquoi alors détournez-vous? Chapitre 10, verset 32, ça va. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Salam alaikum. Que pensez-vous de la conférence de la DDR? Ils sont tellement contents dans la DDR. Ils sont dans le faux. Ils sont dans le faux. Que vous pensez de la conférence de la DDR? Ah, en tout cas, pour moi, ça nous voit droit au cœur. Pour moi, au Saïd Jané, il est venu. 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 C'est l'Africain. Depuis autant. Que Allah t'accompagne. Il est venu. 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 Il est venu.